Bonsoir. Et bonsoir. J'ai cassé dans ton élan. Vas-y, dis-leur bonsoir comme ils le méritent, après tout. Et bonsoir YouTube. Non mais Ok. attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Il Alors, y nous avait un allons caillou de au métal. nord. Mais on n'explore pas les forêts, les gens comme Oh, ça. attends. Je te propose un truc. On va aller faire un repos. Tout de suite Comme là ça? maintenant. T'étais pas Genre, prêt, ouais. pourquoi? T'étais pas prêt. On va faire un repos dans la ville. On fait un repos dans la ville. On met la bannière sur soif de connaissances pour gagner 50% de connaissances. Comme on va découvrir pas mal de trucs. Hey. Non mais fallait attendre. Tu l'as pas pris là? Tu Si? l'as pris. Oui? Mais fallait faire un repos avant. Hey? Bon, pas trop triste. Je charge la game. Bon, bonsoir YouTube. Chargement de game dans 3, Il sait 2, plus jouer au jeu. Oh voilà. là Ça. là. Oh là Les heures sont cheloues, hein. Et marque, j'ai joué 80. Bizarre. Bref, en espérant que c'est la bonne. C'est vache. pas la bonne, t'inquiète pas, YouTube, on te fera une session spéciale chargement. Je ferai un photomontage de tous les chargements. Il va faire un montage juste pour vous Mais rallonger un la photomontage, vidéo. genre, ce sera juste vraiment des photos de chargement, quoi. C'est. Il y aura pas de vidéo, il y aura pas de Quoi? son, ça sera juste des photos. C'est Il va comme les juste vous vieux albums de faire famille, ce genre de trucs comme ça que tu passes en projection. Ah, c'est bon, ça a l'air d'être la bonne. Ça a l'air d'être la bonne. Be careful. Ouais, c'est bon. C'est excellemment la bonne. Du coup, tu Alors, voulais qu'on dorme. ouais, faisons un repos bien mérité. Bien mérité, je sais pas. Mais faisons un repos, quoi. On a un porridge qui va augmenter notre mouvement. Ouais, en combat. On a du chou farci. Qui va augmenter notre critique. Putain, Zilean va peut-être pouvoir faire des critiques. Wouah! On va s'embrouiller, hein. On peut mettre des brouets d'anguilles, des trucs comme ça. Hein, hein? On va chercher les noises là. Oui, on va chercher les noix. 56! J'ai sur-régalé le crew. Voilà. Pourquoi on est à moins 3? Tu mets pas un petit bois? Si, t'en as mis un. Si, j'en ai Ok. mis un. Ah, parce qu'on respecte pas le. L'alcool. L'alcool. Et on gagne quand même plus 5, hein, au final. On est bien. Ok. Ah, Mavig prend un niveau. C'est vrai? Cool. Mavig a pris un niveau. Elle est niveau 10! C'est la plus HL! On va se taper des niveaux 11 maintenant! Oh la purge! Voilà. Ah Donc le non! changement d'arme, nul, riposte défensif, pourquoi pas. Intervention unité peut échanger sa place avec un allié adjacent engagé. Unité devient engagée et effectue une attaque d'opportunité. Oh, c'est mignon ça. Ah, l'intervention en vrai, petit côté un peu sexy, hein. Ça fait ça, c'est un petit côté très tank. Attaque d'opportunité à la place d'en subir une. Ah oui, mais la riposte défensive est pas mal, hein. Je sais pas ce que 50% de chance de pas te prendre une attaque d'opport quand tu te désengages et d'en coller une. Alors, honnêtement, je voudrais bien savoir ce que ça fait en étant amélioré. Bah, tu Ça sais passe quoi, je vais peut-être la à mettre sur 100%. ma vigue, puisque c'est, on va Ouais. dire c'est celle qui peut se permettre de se désengager, de s'en prendre une. Oui. Alors. Voilà. Maintenant, il faut vraiment qu'on aille. Oh, on n'a pas d'argent. Bon, faut aller au nord. Attends. Attends. Ouais, faut changer. Faut changer Ouais. peut-être. Hop. Nous avons une banjoïste. En vrai, je mettrais un os de barde sur le. Sur le. Je veux bien, mais il fait de la viande, hein. Bah, je m'en mets un à moi. Ouais, mais on met qui? Sérieuse? Voilà. Ok. Ok. Bon, bah, ça marche. Bon, on est bon, hein. Maintenant, on peut te Ouais. mettre ta bannière. T'as soif de co. Ouais. Ma soif de connaissance. Voilà. Pourquoi On ça a devrait. pris 200? Oh, attends.
J'ai peur qu'on soit déjà douillé. Bon, c'est pas grave, vas-y. Sortons d'ici. Ouais, j'ai compris. Allez, au nord. En plus, il y a les gardes juste derrière. Ouais, on a gagné de la connaissance. On passe à l'abbaye ou pas? Non, Osef, un peu. Une couscous. Une couscous, suivons le chemin. Ah ouais, on ignore vraiment tout le monde. C'est vraiment, on est en train de faire un rush pour Watt, hein, je crois, là. Ouais, c'est ça. C'est pour rendre mon perso viable, en fait. Parce que sinon, elle va vraiment dépenser trop de points et j'aime pas ça. Une mine. Ça, on est obligé de s'arrêter. Bon, ça, on est obligé de s'arrêter. Ça, je m'en doutais un peu. Mais c'est les syndiqués, là. Ah, là, c'est le syndicat. Ah, attendez, déjà, je... Oh, les briseurs de grève. On vous dérange pas trop. Alors... Si, parce que là vous m'empêchez de miner en fait. Oh, ça va mal tourner ça. Est-ce que je peux mettre des coups de marteau pivot rotatif? Nous travaillons pour un salaire misérable des journées entières, parfois même des nuits. Voilà, hors de question de reprendre le travail tant que le chef n'aura pas accepté nos conditions. Nous exigeons plus de couronne, plus de sécurité et un jour de congé pour la fête de la lumière. C'est vrai, ils sont pas trop exigeants en fait. Ouais, si vous acceptez de jouer les intermédiaires pour nous, nous vous récompenserons. Ah, Zor, vous avez des thunes maintenant. Vous avez pas de thunes, mais vous avez des thunes, d'accord. Je savais que j'aurais dû acheter des esclaves. Regardez-les donc en grève. Comment vais-je nourrir ma famille si ma mine est à l'arrêt? Aidez-moi, il me faut que vous m'aidiez. Bah, alors, j'ai envie de dire, retrousse tes manches de petit bourgeois, puis commence à miner ma gueule. Voilà. Ah, je peux le... Je le presse? Vas-y. Bon bah voilà. Ces gueux menacent de m'enterrer vivant dans ma propre mine. Les barbares, les fous. Voilà. J'aurais dû m'en douter, cette grève a été déjà un acte de sauvagerie innommable. Heureusement que vous m'avez prévenu. Je vous dois certainement la vie. Voilà. Ne me dites pas qu'il a accepté. Si. Dès que vous envoyez Os de Barbe discuter avec les gens... Attends, ils nous ont filé un tamis. Attends, regarde ce que ça fait. On va peut-être pouvoir récupérer plus de... Merde, tu vas me l'ouvrir mon crew, merci. Os de barde. Oh, il a rien à sa ceinture, os de barde. Un petit tamis. Grâce au maillage de ce fin tamis, les pierres précieuses ne peuvent plus s'échapper. Bonus, augmente les chances de trouver des pierres précieuses en minant. Bloup. Voilà. C'est à la ceinture. Hein. Argent dans mon poche. Exactement. Hop, je range ça ici, je me mets le cidre par là, paf, on est bon, tac, miner ce machin, voilà. Du coup, je me tire avec vos matériaux, pendant que vous faites grève. Je rentre dans ta mine. Voilà. En fait, ils ont rien compris à la vie, hein. Ah, ils ont rien compris. Deux saphirs, un rubis. Ouais, 7 agglomérats gris, hein. Ouais. Ça, c'était beau, hein. Nous qui sommes pauvres en agglomérats gris. Paf, plus 5 agglomérats gris. Pas un caillou qui brille. Y'a un autre gisement ou y'en a que deux? Non, y'en avait que deux. Bon, bah par si, contre, c'est étonnant par qu'il contre, on est pas trop de coffre. Encore? On est trop lourd, mec. On est trop lourd de quoi? Être pas beaucoup, pas en plus, moi. Hein. Attends, on va voir. On est pas lourd de beaucoup, hein. Ouais, on est pas lourd de grand chose. J'ai 7 de bois sur moi, je vais en détruire. Bouge pas. Tu vois ce qui... Tu vois pourquoi on est trop lourd? On a gardé l'acier acadien sur nous. On a encore de l'acier acadien sur nous? Ouais. Ah merde. On a oublié ça pèse tant que ça l'acier acadien? Bah... 0,5, non, c'est pas ce qui pèse vraiment le plus. Hein. C'est... Non, c'est pas tellement ce qui pèse ça, le plus. Mais, hop. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai jeté un peu de bois par-dessus bord. Je te remonte de l'agglomérat gris. Mes deux cailloux. On a 21 de fer de plus. Hop. Bon, ça se remballait aussi avec un peu pas mal de métal. Non, le problème, c'est qu'on a refait plein de marchandises. Un rhyme. Plus qu'autre chose. Et que si on trouve pas une ville quelque part au bout du monde... Je crois que c'est... De quoi? Par là. Je cherche en quoi? En fait, on s'est... Ouais, j'avais bien vu ça.
Oh non. Oh là là là, j'ai pris du mina de fer. Oh la boulette. Je le jette. Bouge pas. Oh non, bah déjà on va descendre, on va voir. Hop, un piton. Posé. Tac, descendons. Il y a un campement à inspecter. Inspectons ce campement. Secret. Vous avez découvert un secret. Premier soin et course. Oh, laissez passer. Vas-y, prends. Oh, ça c'est bien. Oh là là. Prends tout. Stock à le nouveau perso, tout. Nous on a besoin de rien ici. Bah, le nouveau perso est déjà à full. Moi j'ai jeté tout le bois du monde par-dessus bord. Ah bah tiens, c'est bien, t'as mis le métal à côté, parfait. Allez hop, les deux de métal. Quoi? C'est pas suffisant? On s'alourdit de quoi là? De 1 kilo à cause des bouquins. Mais consomme-les, mange-les tes bouquins. Mais je peux pas, j'ai déjà tout appris moi. Oh, merde. Bon bah on va acheter un peu de... Hein, un peu de fer. Voilà, on en garde 60, ça sera largement suffisant, hein, on va pas se mentir. Hop là. Hop là. Allez. On est reparti. On peut y retourner. Y a un truc là. C'est du métal. Ah, c'est du fer, c'est du fer, arrête. Un marchand, vite, vendons-lui des trucs au lieu de les jeter par-dessus bord. Bonjour marchand. Tiens, tu peux lui acheter ses 11 cosses à la con, tous ses poudres, on va lui vendre tout le fer. Tiens, prends tout le fer, prends tout le bois ma gueule, ça me fait plaisir. Voilà. Du coup, t'as plus besoin des bouquins? Tu veux qu'on les vende? Oui, on va les vendre. Et paf. Et paf. Ça fait 150. Ah oui, merde, attends, tout est sur moi. Ah ouais, t'as vraiment vendu tout le fer? Wow. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vraiment tout vendu. Hein. Tout vendu. Voilà. Achète ça. Est-ce qu'on lui vendrait pas en vrai les merdouilles que je traîne sur les côtes là? Parce que. Parce qu'en vrai. On peut aller plus loin. Les marchandises. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Tu veux pas lui acheter les 11 rostres, puisqu'il t'en falloir une centaine à un moment donné? Ouais. Oh. Je sais pas combien on en a. Je sais pas, ça, 57. C'est toi le sorcier, Harry. Alors, tu veux un autre secret? Vas-y. Suis la coussoude. Tu vois la couscous, là? Suis la couscous. Ah, celui-là, oui, je le connais. Continue tout droit. Je prends la couscous. Continue toujours tout droit. Alors attends, il y a un pépin, mais 2-3 pommes. Hein. Genre, ça peut passer. Ah, ça veut pas passer, fait chier. Par où je l'ai escroqué, lui? Peut-être plus loin, hein. Peut-être par là que je l'ai escroqué. Mais non, bah, là, il n'y a aucune chance que ça passe par ici. Attends, j'ai. Tu l'as? Ouais, peut-être. Voilà. Non. Merde. Ok. Allons au bout, alors, c'est peut-être au bout. Et un champignax. Ah, bah c'était juste là? Ah oui, ok. Un piton. Voilà. Et voilà, il y a un campement. Il y a un truc à inspecter, j'arrive pas à passer dessus. C'est bon, j'ai. Tu l'as? Oh! Qu'y a-t-il de beau? Eh bien, ça pour toi. Et ça pour toi. Et du vin! Ah, la croûte. Ah, des pitons, parfait. Et de la picole. Excellent. Que on pouvait pas demander plus. Déjà allez, parler au. Hein? Ah oui. Merde. La vache. Bon, remarque, c'est pas mal, hein. On est déjà. Putain, on est remonté à 357. Waouh! Chaud. Ah ouais, dès que tu mets plus de fin aux pommes, c'est violent. Paf. Ah ouais, ça descend. C'est peut-être parce qu'on court trop comme des cons. Oh, je pense pas que ça joue grand chose, mais. Les régimes alimentaires sont respectés. Yeah! Pam pam pam! Hausse de barre 246 points d'XP. Ah ouais, mon salaud. Ah, ma vie a des choses à dire. Si seulement mes parents pouvaient me voir, ils seraient tellement fiers de la guerrière que je suis devenue. Tu m'étonnes, Elton. Oh, oh le 400 d'XP supplémentaire. Oh. Ah, et pour quelques XP de plus. Ce qui représente beaucoup de combats, les quelques XP de plus. Putain, j'ai trouvé mon téléphone. Ah, mais ce qui me fait penser que j'ai pas mis de chrono. Ah.
Allez, YouTube, un petit épisode de 4 heures. Ça manque depuis les Mad Max, les épisodes de 4 heures. Je sais, ça vous manque. C'est moi qui m'y en pose ? Oui, sans faire exprès. Alors, soit on va sur le... On va régler eux, là. Hein ? On est payé pour ? Bah, je crois, non ? Oui, on est payé pour. Oh my, look at these huge pigs. Bah oui, quel gros cochon. Ça me rappelle ma jeunesse dans la porcherie de mes parents. J'étais souvent chargé de donner à manger aux bêtes. Venez par ici, mes mignons, je vous vois de plus près, mes yeux sont plus ce qu'ils étaient. T'as des pommes, t'as des raisins ? Ouais, alors moi je peux donner des raisins, mais pas des pommes. J'ai pas envie de donner du raisin. Parce que j'en ai pas tant que ça. Ok, ben... Donc, par contre, j'aime bien l'XP et les côtes de porc. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Ok, on va encore être surchargé. Oh, tu dis ça, on vient de manger quand même, hein. Ouais, on a toujours 36 repas. Eh, hey, faut vraiment qu'on fasse des prisonniers pour qu'ils puissent porter nos trucs. On va avoir une tronche de prisonniers. Bon, le porcher, faut pas qu'il meure, on va le mettre à l'écart. Je vais mettre un gros tank là-bas. Tiens, j'aurais bien... Ah, mais il y a du monde là-bas. Il y a du monde là-bas. Comment ça? Oui, j'allais dire, il est où mon capitaine? Ah, il est là. Le capitaine, il est loin. Hop, je vais le mettre à la place de Horse de Bard. Ouais. Peut-être mettre Horse de Bard à la place de Stevie, hein, du lieutenant Will, par exemple. Et on est full point, hein. On est full. Donc on peut vraiment lancer les gens comme des débilus. Je vais mettre Stevie en là-haut. Tu veux pas prendre la place de Stevie pour Horse de Bard? Comme ça il a moins de distance à faire, il peut se rectifier plus tard. Ah ouais, tu crois qu'il y a vraiment une grosse diff? Ouais, si tu le dis. Le premier cochon à jouer, il est par là. Ils sont deux à jouer. Alors, idéalement... Écoute, je vais jouer un petit Zinlen en vrai, attends, je replace. J'aurais bien joué le cuisinier. Ah ouais, ok. Joue le cuisseau. Après ouais, quoi que, vas-y, hein, si tu veux te placer... Si tu sais, je me place juste... Voilà. Attends, je vais prendre la place parce de... Parce qu'il atteint Mavig, hein. Ouais, il atteint Mavig, donc c'est pour ça. Ah oui, en plus tu peux te coller into Mavig, into the Capitaine. Into the Capitaine. Into mon meilleur ami. Je me mets là. Et ouais, exact. Hop. Exact pose. Oh, tu peux faire un tir lointain et tout ce que tu veux là. Ok. Là, tu peux t'amuser. Hein. Vas-y. Hein. Voilà. Alors attends. Salut, on est sûr qu'il meurt. 70% de chance de critique. Il en faut met que pas. T'arrêtes de focus là-dessus. Je pense que faut que tu admettes que tu seras toujours à 7% dans le cœur du jeu. Tu seras toujours à 7% de chance de coup critique. Dans le cœur du jeu. Ah ouais. Super le porc. Merci le porc. Et là, bah voilà. Et là, c'est le drame. 243. Là, on a une cochon qui joue, certes, mais j'aurais bien joué notre cuisinier préféré, puisque notre cuisinier préféré peut faire des dingues. Cuisinier préféré, il peut genre venir. Kumsa, Zinedine, et avoir toute la troupe. Vraiment ? Kumsa ? Kumsa. Kumsa ? Oh ! Elle est où ta fifi? Laquelle? Ta blindée. La nouvelle Ouais, elle est là. Je l'ai mise à côté de. Elle est montée niveau 9 au fait. Elle est niveau 9. Ta 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 ta. Ta ta. Vous avez récupéré trop d'XP et trop de pièces d'or. On va vous prendre vos pièces d'or. Mais mon or. C'est vrai qu'à un moment dans Albuck, l'or, bah t'en as plus rien à faire en fait, t'as déjà tout acheté. Oui, bah voilà. J'avais rien d'autre à faire avec ce monsieur. Y'a un cochon qui a disparu, il est où? Et pourtant, je lui ai mis que mon attaque de base, hein. Je te jure, j'ai rien fait de plus. Je vais taper dessus avec Horse de Bard. Hein. Ok. Taper dessus dans les cochons là. Dans les côtes de cochons? On a tendri la viande. Oh, putain, les dégâts. En vrai, de vrai, c'est quand même beaucoup.
Parce que en zone, tu fais plus de 100. Déjà plus de 130, déjà, c'est sûr. Donc en zone à moins 130, c'est pas mal. Est-ce que notre capitaine ne nous lâcherait pas un petit cri là pour. Pour éviter qu'on bousille tous les ponts. Trop tard. Alors, ils sont tous bousillés. Alors, j'en ai laissé un parce qu'en fait, t'as vu, je me suis embrouillé avec Sophie. J'ai embrouillé un port. Ouais. Et je me suis dit, si tu voulais par exemple jouer Sophia pour mettre un ordre sur un capitaine ou moi, Will, pour mettre un ordre sur un capitaine. Ouais. Par exemple, là, il pourrait nous gaver en points. Ouais. Voilà. Et en plus, tu pourrais tuer un cochon qui te montre ses fesses. Et qui est le prochain à jouer. C'est du génie ou pas? Bah, j'y vais avec Sophia, je vais me mettre là. Hein. Ouais. T'es pas dans son bac là, je crois. Je sais. Faut que tu fasses une course. Pas nécessairement. Un jour ça passe comme ça. Non, je vais éviter de me mettre à côté, parce que j'ai pas forcément envie de me prendre des dégâts. C'est con, ils tapent en zone maintenant. Avec leur charge à la con. Bah, je vais retourner ici. Ça va me donner le meilleur ami, et puis comme ça, le capitaine pourra donner plus de points. Voilà. Est-ce que le capitaine veut entamer les choses? Ouais, je pense, hein. Je pense que ça peut être pas mal, hein. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Si je me place ici, exactement ce qu'il faut. Je pourrais jamais atteindre ces ports. Non. Même avec la meilleure course du monde. Ah quoi qu'attends, avec la meilleure course du monde. Ah, avec la meilleure course du monde. Bah d'abord fais là, comme ça t'as pas de détour à faire avec les... Ouais, mais j'ai... C'est pas faux, hein, mais en vrai... parce que là, ça va vraiment jouer au mètre près, je crois. Hein. Sinon, je fais rien du tout et on économise des points. Hein. Je me mets juste devant Zinlan et on devant ma tank et puis on en parle plus, quoi. Attends, la tank a besoin de protection du capitaine. Pardon. Ouais, si, je crois que je les atteins en fait. Hein. Je crois que je les atteins. Non, à un mètre près. C'était exactement ça. Si j'avais fait correctement le truc, je les aurais atteints. On peut jouer ma vigue si tu veux. Oh. Pas nécessairement besoin d'aller les chercher, hein. Ils vont se suicider tout seuls. C'est vrai. Comme des grands. Alors attends, t'as pas encore joué Dédénal, on va faire des plans. Voilà, je viens ici avec Dédénal. Enfin, avec le lieutenant Will. Je. Sous le custom, Melanine, par exemple. Bien que ce soit une femme. Je passe mon tour. Voilà. Fais gaffe, la dernière fois que t'as dit que c'était une femme, la femme du crew, elle est. Elle est avec le généralissime maintenant. Fais gaffe, hein. C'est vrai. Sachant que Taurus, de base, il est marié, hein. C'est vrai, mais sa femme l'a un peu abandonné. Genre, elle a pas voulu récupérer son mari. Elle fait non, maintenant qu'il a des boutons. C'est ça, ouais. C'est parce qu'elle avait pressenti le la dangerosité du crew. Parce que je rappelle que le mec a quand même été recruté par un mec qui aujourd'hui se croit dans le Seigneur des Anneaux dès qu'il voit des flammes et du poison. Et des saignements. Et des saignements, voilà. Le mec il se croit, il voit plus que l'œil du Mordor. Et à côté, il y en a un, il parle même pas la vache commun. Il meugle pas, il grogne pas, enfin on sait pas ce qu'il est exactement. Mais dans sa belle armure de l'église, bien sûr. Ouais, c'est vrai, tout ça.
Triste. Aïe aïe aïe. Fais le papy. Merci le papy, que je gère. Ouais. Bah, c'est cool. Je vais passer le tour de ma vigue, hein. Quoique, oh, pas ma vigue tout de suite, puisque peut-être venir sauver un capitaine. J'ai Steve Moi, Lee je... en... Regarde, Moi, je peux peut-être tenter de faire un truc. Ah, dommage. Bon, prochain tour. Attends. J'ai bougé Stevie en... Blu. Bon, voilà. Ça commence à faire, quand même. Ouais. Il y a le cochon du nord qui va jouer, hein. Attention, il va infliger des dégâts à ton bouclier. Mmh. Bon, bah, on va générer 2 points. Mince alors! On peut pas générer 2 points! Ah, oh, c'est triste. Oh, jamais ça passe, hein. Ah, là, surtout que t'es très loin, mais tu peux déjà commencer à te rapprocher, hein, pour tirer au tour prochain. Ah, avec une course là, avec il y en a une course, deux oui, on a du point, vas-y. Galop. Galop. Galop d'un. Genre, tu l'as pas. Genre, t'as pas le deuxième derrière. C'est de la merde. Je suis très triste. Je suis vraiment très triste là. Mmh. Parce que t'aurais dû utiliser ta course en premier et ajuster au pied. Pour le coup. Ouais. Bah écoute, je vais utiliser un point. Vas-y, vas-y. Il y en a. Pardon. Nous sommes motivés. Ici, nous gardons la pêche. Mmh. Et il ne reste plus que ma vigue qui va aller consolider la position du capitaine, bien sûr. Bon, il y a une ligne de cochon historique. Hein. Est-ce que tu veux commencer par jouer tirailleuse ? Oui. Alors d'abord, cours d'abord. Ouais. En me mettant là, je pense avoir les 3, hein. Ou alors je me mets au plus près, hein. Là, t'es trop sur le côté, je pense. Déjà. Ah, quoique, si, vas-y, place-toi. T'es au max de ton déplacement ou pas? Là, ouais, je suis à 12 mètres. Non, bah, te mets pas au max de ton déplacement. Économise un peu, voilà, genre comme ça. Voilà, ça, ça me paraît bien. Alors, avant de faire les 3, est-ce que t'as les 3 ? Non, j'ai pas les 3. Ok. Est-ce que si tu peux viser celui du fond ? Tu l'as ? Est-ce que tu peux avoir les 4 ? Non, celui du fond. Du fond, du fond. Non, et je touche pas. Il faudrait que je m'avance un peu plus. Ok, et bah du coup, de toute façon, il va falloir que tu t'ajustes un peu. Bon, bah là, hein. C'est mon max. Et bah, crame pas ton max tout de suite, si. Bon, ok. Oh ! Tu vas... ça va être beau. Voilà, tu les as tous. Juste pour ça, cet arc est trop drôle. Il est un peu mortel aussi. Un petit peu quand même, un petit peu dangereux quand même. Aurait mieux fait de tenter d'assassiner le cochon qui va te rouler dessus au tour prochain. Là, dès que tu passes ton tour. Ouais. Tu vas avoir des regrets. Des regrets. Ouais, ouais. Des regrets. Aucun, puisqu'il peut pas te charger, t'es contre un mur. Ah, t'as massacré là, tous les cochons du corridor. Ouais. Il y a une Sophia qui a très très envie d'aller dedans. Je peux faire une flamme doudoune d'abord? Vas-y, flamme doudoune. Flamme de doudoune. Oh là là. Oh là 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 là. Ça y est, attention, il va gueuler. Ah non. Sad. Eh ben ah bah, sad. Il faut une course. Mais je peux pas, je l'ai déjà cramé. Non. Si. Ah. Là, ça va être mieux. Un petit coup pour exécuter.
Je l'ai pas eu. Si. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Je sais pas comment je l'ai eu, hein. Mais je l'ai eu. Un coup de bouclier. Là, le problème, c'est que si je fais ça... Ah, j'en touche un, mais pas deux. Et oh. Vous avez pile la distance qu'il faut pour me casser les couilles, en fait. C'est vraiment votre projet, quoi. C'est vraiment... tiens, prends-toi une flamme quand même dans la gueule. Bah non. Il aura pas flambé. C'est triste. Il y en a encore vais... un. Ah, et oui. Je vais aller l'embrouiller pour Sophie. Hein. Voilà. Ouais. Parce qu'on rappelle, évidemment, c'est gratuit. C'est genre, c'est remboursé par la sécu. Ah oui, non, c'est même plus que remboursé par la sécu, c'est rentable. Excusez-moi. C'est la sécurité sociale qui te donne de l'argent. Oh là, c'est trop en plus. Voilà. Et là, maintenant, tu peux prendre ta Sophia et aller faire mobilette. Pépé, trollette. Tu peux aller faire une pépé, trollette. Attends. Hop. Ah. Non. Je termine de jouer avec mes victimes. Bon, voilà. C'est le petit coup de couteau. Voilà. C'était un combat hyper dur. Hyper dur. Oh, on va être trop lourd. Hein. Oh oui. On va être si lourd. Hop. On est mal. Et en plus, on va aller se taper des cauchemars. Ils sont juste à côté. Ils ont massacré les cochons. Bah ouais. Voilà. La justice. Non. Regarde, allons voir les cochons. En plus, on n'est pas trop lourd. Là, eux, là. Ah, bravo. Niveau attaque 8. Surprise. Mais ils sont pourris. C'est quoi ça, niveau 8? Ah là là. T'aurais mis en facile dans mon dos? Non. Ouais. Je pensais, là en fait, c'est un peu triste qu'on ait eu acheté autant de bois et de métal. On aurait dû forcer pour aller jusqu'à une forge pour que ta forgeronne, parce que je crois que c'est une ouais. Comme si je dis pas de bêtises, forge des mains gauches, genre à l'infini, des trucs comme ça à la con, c'est vrai, ouais. Pour lui faire de l'XP de classe, et éventuellement pour que t'aies des dagues de jets, même si elles sont un peu plus pourries, voilà. Bah on l'avait déjà fait ça, hein. J'en ai pas mal. Hein. Oui, mais t'en avais des bonnes cales, je veux dire, là on avait de la merde, je veux dire, on aurait pu passer du bois, du cuir et du métal et juste les vendre au forgeron, terminé. Ouais. Ça t'aurait fait de l'XP, bon, de l'XP un peu pourrave, mais. XP quand même. Moi j'aurais bien remonté tous les gens du bas là, parce que je crois que tout passe en haut, hein, si je dis pas de bêtises. C'est hein. Vrai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, y a pas 6 places en haut. Si, je pense. Moi je pense qu'on peut faire ça. Hein. Après, on a pris le talent pour, donc normalement oui. Hein. Ouais. Par contre, faut que je mette Taurus à la place de Tirailleuse, je pense. Tirailleuse ouais. Ouais, faut que je mette Taurus à la place de Tirailleuse. Vas-y. Parce que sinon je peux pas avoir, sinon j'ai aucune chance d'avoir tout le monde dans mon cerclage. Ouais. Ah même là c'est chaud hein. Là c'est chaud, faut que je mette Mavic de ton côté. Il y en a un que j'ai pas. Oh. Ça serait Will que j'aurais attends. Pas. Je mets Will attends, là-bas. attends. Tu vois ce que je vois là? Tu vois la belle ligne de 5 là? Oui, toi, il y a un potentiel de destruction monstrueux. J'aurais même interverti ma place avec Sylliana de mon capitaine pour donner un max de points, parce que c'est Sylliana qui est le mieux placé. Ah non, tac, c'était genre ma comme vigue. Ça. Ah, voilà. C'était ma vigue, dégagez ma vigue. Il ne sert à rien. C'est les gens du fond qui jouent, donc je propose de donner le point custom, le point de bourrinisme aigu. Vas-y. Vas-y. Où est la petite nouvelle? La petite nouvelle. Là, toujours. Là. Non, mais il faut faire la différence entre une armure lourde et une armure lourde. C'est, la seule diff est dans le bouclier et l'arme qui est pas exactement la même. Ouais. C'est vraiment. Toute la diff était là. Y'a rien de plus à faire. Je vais juste me coller à Zinlen. Pour que Edenage, si jamais il avance, il a un bonus. Voilà. Mm-hmm. Non, Mali. Oh le bâtard, c'est tout ce qu'il fait. Lui par contre, il va... Il y a 3 ours.
Il y a 3 ours. Oh, le speedrun. Oh putain, l'ours du speedrun, quoi. Incroyable. Moi j'aime bien l'ours du speedrun, il a fait ça, ça, ça. Je ça, vous donne les là. Points. Je vous donne des points. Je vous donne des points. Hop là. Voilà, je nous donne des points. Puis je peux aller boucaquer des gens. Hein. Bah, voilà, va mettre le feu à tout le monde. Hein. Bonjour. Bonjour, est-ce que je peux vous boucaquer? Bouc. Bouc. Le coach qui a rien demandé qui s'en prend plein la gueule. Ça me termine toujours. Ah. Ton bouclier est juste vénère. Ouais, je me permets d'engager le troll de la Moria au combat. Hein. Troll de la Moria. Quel troll? C'est un troll. Je la repousserai de la Moria. Chef, vous êtes pas un or, vous faites 2m30. Il joue pas au même jeu que les autres. Il est pas dans le même monde que les autres dès qu'il croise des flammes. T'as un loup qui veut venir te voir, mais... Il veut, hein. Mais ça concrétise pas. Alors, des masses. Est-ce qu'il y a des lignes, des perceptions, des perspectives qui se dessinent pour toi? Ah oui, oui, là j'ai une excellente ligne, là, regarde ça. Ah, je sais pas si tu crois tout avoir, hein. T'as tout, là? Tout, non. Mais, alors déjà, je vais devoir faire ça. C'est quoi, cette arnaque? Ouais, t'as rien, en fait, hein. Ben non, il y a le truc devant qui me gêne. Quoi? Ah, tu peux pas tirer parce qu'il y a du décor? Ouais. Non, mais arrête de courir à gauche, à droite. Faut que tu cours pour traverser ma vigue et que t'ailles te placer. Mais sinon, place-toi pour faire cette ligne-là, hein, s'il faut. Ah oui, toi, tu vas pas voir, moi, je suis bleu sur bleu. Attends, faut que j'aille me coller à ma vigue. Mais non, mais même les rochers, ils m'emmerdent! Ok, je peux venir là. Est-ce que déjà t'as pas une ligne là? Là j'ai une ligne. Alors là, je peux avoir soit les 2 ours. Si je me mets là, attends. Là. Oui, là j'en ai 3. Là j'en ai un minimum de 3. J'en ai un minimum de 3 avec les 2 ours. Donc si je mets un coup critique, ils prennent 10% de leur vie. Bien sûr, je mets un critique sur le seul qui a pas. Mais par contre, j'empêche le passage ici. Ouais. Bah bute ton porc. Je bute mon porc. Je laisse pas House de Bar pour qu'il en bute 3. Ah oui, je sais pas si je peux en toucher 3 là. Mais ouais, si tu veux, oui, oui, je peux le buter. Oui, oui, bah t'as pas un autre truc, je sais pas, House Fantôme, ce que tu veux. Ou le porc pas entamé. Oh. Alors du coup tu m'as créé un petit espacement. Mm-hmm. Oh, j'ai l'impression que ces monstres ont écarté les cuisses pour moi. Hein. Je réfléchis. Oh, oh le bloc de 4. Apollo. Apollo il se dessine un avenir. Attends, il y a peut-être un bloc de 4 qui se dessine là. Il y a un destin. Et il y a un festin. Pour changer de vie. Et il y a des intestins un peu partout là. Oh, j'ai pas enfin pu s'exprimer tout mon potentiel. Ah ouais, 39% de chance de coup critique, oui, oui. J'ai réussi à m'engager au corps à corps pour une fois. Alors? C'est pas bon? Alors ouais, ça a pas duré longtemps. 59, un peu trop. Ça a pas duré très longtemps. Je peux m'ajuster un peu, je vais me mettre en position de contournement de cet ours et je vais embrouiller ce loup. Voilà. Bah du coup, t'es plus en contournement? Non, mais bon, quelqu'un va très probablement tuer ce loup avec un coup de couteau au hasard. Au hasard, moi je dis ça au hasard. Peut-être je me trompe. Au hasard. La terreur, comme si le capitaine connaissait la terreur. C'est des vikings, ils ne connaissent pas la peur. Mais la peur donne des ailes. Pardon, je me suis rematé Astérix. Ah, okay. Non, je me suis rematé Astérix chez les vikings. Ok. Il y a encore un pack au milieu potentiellement qui a pas tout à fait joué, je crois. Ouais. Il y a 2 loups qui ont pas joué. Mais il y a celui-là non plus qui a pas joué. Hein. Donc celui-là va falloir penser à tes 2 archers, à lui mettre un couteau ou des coups de couteau, j'en sais rien. Mais il va falloir à un moment donné gérer ce loup-là.
Voilà. Après, tu pourrais tout à fait aller te coller derrière l'os de bardiste. Ouais, et mettre ta zone, hein. Oh, qu'elle est belle. Ouais, un peu plus. Même plus à gauche encore. Ouais, parce que n'oublie pas qu'ils ont des gabarits assez larges et que l'ours il bougera très probablement jamais du close. C'est vrai. Un petit loup qui s'en va. Ah ouais, il s'en va, hein. Ah, il voyage là, hein. Il est parti voyager. Voyage. Lieutenant Will. Ah, vas-y. Est-ce que Lieutenant Will peut donner l'ordre sur ton bonhomme avant qu'il joue? C'est vrai. Du coup, Edenal nous donnera plus de points. Et je vais me caler comme ça, voilà. Ouais. Donc, ah, c'est bon pour toi, tu peux y aller. Alors. Tu peux pousser tout ce qu'il y a. Régale-toi. Je peux en pousser qu'un seul et. Bah, l'ours, c'est pas mal. L'ours, c'est pas mal. Ouais. Ou le loup, hein, c'est ce que tu veux, hein. Le problème, c'est que j'ai une chance de toucher os de barde. Bah, utilise un point de la destinée ou avance-toi plus, je sais pas. Je peux pas m'avancer plus. Ah, voilà. Bah, utilise un point de. Attends, si, je peux m'avancer plus avec une course. Mais bon, c'est. Oui, ça revient au même, donc t'exposes pas non plus. Ouais, bah écoute. Ne te mets pas en danger non plus. Le but, c'est de descendre l'ours. On va descendre l'ours, hein. Vraiment quoi. Et après t'as ta flèche de bord. Ouais. Oh, voilà. Pas ouf hein les dégâts des Dénal, hein. C'est vraiment le support de base en hein, lui. Hein. Non mais. Oh ça y est. Oh le destin, regarde, j'en ai trois. Trois portées de masse, enfin. Le destin. Dans l'ordre des priorités, il y a encore un loup à buter potentiellement. Mais bon, ouais, c'est pas grave, il est sur un gros. Ouais, c'est pas trop. Oh, j'y vais. De toute façon, on est 4 à jouer avant. Il y a 4 personnes à jouer. Est-ce que tu veux pas justement que je joue d'abord un lieutenant, mon lieutenant, pour te donner un point vite fait? Avec qui? Genre. Ouais, vas-y si tu veux. Je me mets genre juste devant ton marché là. Paf, je te donne un point. Voilà. Fin de service. Alors, le but ici va être. Hop, on récupère 2 points. Lui est engagé. Colle-toi aux deux bords peut-être. Voilà, meilleur avis. T'as vu? Bah, tu suis qui est engagé déjà. Maintenant qu'il est encerclé. C'est... Le coup de couteau. Qui part pas où il faut. Ah, t'as donc un berserker, toi. Bah, comme tous les ours. Oui. Il est vrai. Non, c'est pas vrai. Tous les ours ne l'ont pas. Bah, de base. Tout ce que j'ai vu de l'avait. Que puis-je faire? Oh, j'ai une idée. Ah ouais, mais ça me forcerait à prendre le feu. Ouais, prends pas le feu, surtout qu'en plus, je crois que Zinlen et machin, ils ont déjà l'ordre. Non, ah, pas Zinlen. Juste si de là où t'es, tu peux avoir Zinlen, t'as tout gagné. Non. Faudrait que je fasse. Oh bah regarde! J'ai pas besoin de prendre le feu. Ah t'as juste. Tada ok, 1, 2, 3, parfait. Parfait. Il faudrait quand même que tu utilises du mouvement pour te mettre en sécurité, genre à coller à tes archers derrière. Par exemple. On a dit coller à tes archers! Okay. Et j'avais encore mon coup de barre! Il y avait encore un couteau de cuisine qui traînait. Toutout! Faudra vraiment que je rampe ces couteaux à mon mec, hein. Ça va tant.
Wow, c'est bizarre, quand on mange, les quantités ont augmenté. C'est normal, je peux plus couper les steaks. Directement les pièces entières, tu sais. Un peu plus détaillé, là. En fait, il les défait à la hache ou avec la... C'est ça, heureusement, la force, les dents de barde. Os de barde. Attends. Heureusement, il a toujours un attendrisseur, os de barde, bien sûr, pour aider ses amis. Du coup, ses amis ne veulent pas de son aide. Bah attends, je vais volontairement aller me prendre le feu. Eh oui. Je prends feu, mais en fait je l'ai pas. Hein. C'est débile. Oh, il a fait un mouvement chelou, lui. Bon, bah voilà. J'ai fait mon action. C'était super méga génial. C'était quoi? Un couteau. Un couteau et c'est tout. Moi j'ai plus rien d'autre à jouer. Ouais. Et moi je l'ai de ma vigue après. Ça fait que t'as joué peut-être ton couteau un peu vite. Ça. Autant pour moi. Parce qu'en fait j'aurais peut-être pu t'embrouiller l'ours avec ma vigue. L'ours qui est à côté d'os de barde là. Pas faux. Ça t'aurait permis de le tuer. Tu crois qu'il passe un sale moment le type ou pas? L'ours. Bah, je vais pas m'avancer davantage. De toute façon, oh, remarque, en vrai, on se prend la tête pour rien. Regarde, ils sont plus que 3 putain à jouer. J'ai fait une chinaï, je me suis fait douiller. T'as fait un échec critique? Non, j'ai voulu faire une course et en fait, j'ai cliqué en dehors de mon cercle, du coup, ça m'a juste collé au pote et pas emmené là où je voulais. T'as c'est plus un de critique. Force qu'un ours? J'ai plus de force qu'un ours. 61 de force. Pas grand chose de plus, mais j'ai plus de force qu'un ours. Comment ça se fait que t'es 72? Ah ouais, t'as bien monté. Ah oui, mais t'es niveau. Ça veut dire que ta masse, on peut l'augmenter de beaucoup là. Niveau 10, ça commence à donner beaucoup de stats. Hein. Oui, oui. Ah, mais il y a un cauchemar qui arrive. Oh, les copains on qui arrivent. On va pouvoir manger. Ils sont où? À tous les ils sont à gauche. Ah, ils sont à gauche. Attends, le capitaine peut y aller en combien de moves? Bah, étant donné qu'il a l'inspiration. Non, en vrai, il y va pas. Il les atteint pas. Hein. Faut quand même pas déconner au bout d'un moment. Quoique, on rigole, mais il peut quand même aller jusque là. Donc, avec une course, il y est. Hein. Allez, avec une course, monsieur, il y est carrément. Hein, Oh, alors. On explique à un moment donné comment ça se passe très mal chez les cauchemars. C'est moi, votre cauchemar. Les flammes de l'enfer. Prends gaffe à ta jauge de terreur, hein. Quelle terreur. Ah, c'est un truc obscur et complexe. Je leur dirais, faites donc attention à la terreur que je suis. Il va toujours pas mieux, le capitaine. Hein. Non. Ah. Et c'est pour ça qu'on inventa la pharmacologie. Pour inventer des médicaments pour le capitaine. Ça, c'est histoire racontée par des mercenaires. C'est ça. D'après des mercenaires. J'ai un lancier. On va y aller un lancier qui tape des trucs. Ça peut être rigolo. Vas-y. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, surtout que je peux pousser ce truc là. Ah oui, mais il se prendra pas d'attaque de peur. Non. Du coup, ça a pas grand intérêt. Ouais. Moi, je peux me mettre juste là, gentiment, et juste mettre un coup de lance de base. Hein. Oui. Et tu peux même, si t'as envie de jouer un peu, te décaler derrière là et essayer d'englober os de barde avec un coup de lance, comme ça ni lui, pas os de barde, mon mur, ni lui ne pourront bouger et le taper. Tu veux dire comme ça? Ah ouais. Non, ça marchera pas parce que leur socle de base est trop large, assez con. Ouais, du coup, ils arrivent à passer, à vivre leur vie. En fait, le truc que lance... je peux faire, c'est vraiment le coup de lance est bien, mais le problème c'est que vu que les socles de base sont trop larges contre des humains, il est bien. Ouais.
En fait, il faudrait qu'ils aient une portée 4 à la lance. Mais en même temps, c'est logique, puisque quand tu prends les masses à deux mains, etc., ils ont déjà des portées de 3, des armes à une main comme celle du capitaine, a déjà une zone de 2, etc. Les lances, faudrait vraiment qu'elles puissent porter à 4, quoi. Qu'elles soient vraiment supérieures aux autres. C'est, normalement, c'est vraiment avec ça que tu touches le plus loin. Techniquement, c'est pas avec un marteau à deux mains. Et c'est, pour moi, c'est un peu la tristesse, on va dire, sur la lance, quoi. C'est que du coup, maintenant, avec les armes modernes, elles sont fait avaler leur compétitivité, hein. Ouais. Par les autres armes. On a un gros à aller buter, mais oui, je t'en prie, vas-y. Non, j'ai rien du tout. Je regardais juste de combien il pouvait se déplacer l'énorme fork. Mais lui, il l'a pas. Si, lui, il faut que je m'engage pour prendre le. Pour avoir le déplacement. Ouais. Donc, c'est quoi ça qu'on dit ? Puis-je jouer ? Oui, vas-y. Si. Petite ligne de deux là. Une petite ligne tranquille. En plus, tu tues quelqu'un, c'est formidable. Bon, j'en tue deux en fait. Hein. Un point ou deux d'ailleurs ? Un point. Tu n'as pas été customisé. Busté. On va faire de l'amitié, allez. Oui, mais peut-être derrière les tanks, parce que si l'ours te tombe dessus, moi bien le vivre. Non, c'est bon. Je vais prendre cher, c'est tout. Peut-être pas. Une mavifigue. Peut-être pas. Ouais. Ouais, je vais mettre ma vigue juste pour prendre à ta place. Hein. C'est pas son rôle à elle. Ah, si. Bah, si, bah, elle est quand même ultra blindée, hein. Ça fait quand même partie des persos en armure lourde, quoi. Ouais, on en a que deux. Hein. 83 en critique. T'as combien d'armure en fourrure, toi? Espèce de gros sac. Espèce de... Non, en fait, c'est parce que t'as pas plus de force que lui. Celui-là, t'as pas plus de force. Bah pourtant, ça va faire un crit. Ouais, mais ça fait un crit. Ah oui, ça va faire un crit parce que j'ai réussi un crit. Oui, ok, oui. Ouais. Mais il a 74 de force. Ouais, ok. Ça veut dire que on peut faire des critceptions. Ouais. Hmm. T'as du point si jamais t'as des idées. Ouais, j'ai du point. Des mobilettes. Ah, je l'avais pas, merci. Déçu. Pas gentil d'aller tuer le seul truc qui restait à tuer à Zinlan. Vraiment pas sympa. Je vais ôter le couteau de la bouche. Le couteau de la bouche, pas mal. Pas mal. J'aime bien. Bah écoute. Oui, vas-y, avec des dénales. Des dénales, le super-héros. Je pense qu'il le tue en une flèche. Peut-être pas non plus. Déjà, il faudrait qu'il fasse une course pour pouvoir mettre les deux flèches. Assuré. Non mais tiens lui juste une flèche, m'en fous. Ah j'ai même une chance de toucher ma vigue. Ah ouais. Vas-y touche ma vigue hein. Je veux qu'elle ait l'immunité aux flèches comme le capitaine. Capitaine qui est immunisé à tout. Je pense que s'il continue dans cette classe là, je pense qu'au niveau 20 on pourrait être même immunisé aux blessures, aux dégâts tout court. Genre tu peux plus te transformer en rat zombie, rien. Genre le capitaine à la fin il sera juste immunisé à tout le jeu. C'était un truc à jouer, hein. Sinon, je déroule là si tu veux que je le mette. Hein. Vas-y, il a pas tapé, il doit se sentir un peu mal. Ah, tu sais quoi, je peux même aller me mettre là-bas, là, dans le brouillard de la mort. Et le dernier coup de hache. Non, je vais lui mettre un coup de bouclier dans le cul. Oh ! C'est dommage. J'ai niqué notre dernier point. Niquer notre dernier point pour ça, si on tombe sur la garde, on n'est pas bien. Ah bah, en parlant de la garde, je sais rien. Ah par contre, on a gagné 4 pattes de peluche en plus, hein. ça c'est bon pour les affaires. Ouais. Et les petits globes qui vont ici. Merci d'avoir réparé l'équipe. De rien. Le cornet... Oh, c'est intéressant. Mais il va falloir se... La garde, hein. Ah, direct! Le brouillard il s'est dissipé, ils ont fait vous là!
Oula, je vous vois là, à payer. Oh là 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 la checklist à payer. Eh, ça va madame, vous avez pas l'impression de prendre un peu de la marge là sur je crois vous que avez vous menacé le propriétaire, vous avez... Oh les gars. Attends, la menace du propriétaire ça coûte combien? 150 balles, alors ça va c'est pas cher. Voilà, ferme de bois, objet volé disparu, 2700. Bah attends, ça sort d'où ça? On a pas volé 2700 balles de marchandises? Si. Bah c'était il y a fort longtemps ça. Oui, mais on se les trimballe encore. Ah oui, mais vu que... Oui, le problème c'est que vu qu'à chaque fois on atteint jamais les zéros. C'est ça. On rallonge la checklist. Oh là là. Bon bah. Oh là là. Oh là 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 là. Longue là journée là. Hein. Ah ouais, longue journée. Longue journée. Très, très longue journée. Hein. Bah écoute, c'est des choses qui doivent arriver hein, à un moment donné. Hein. Oula, il va falloir trouver et buter leur chef, sinon on va se les prendre tous sur le coin de la gueule. L'archef. Tout à gauche. À droite, pardon. Ah ouais, il est pas à côté. Ok. On est gros pire comment nous? On est où là? Oh là! C'est quoi ce dispatching? Ah, les emplacements sont à chier en plus, c'est ça le projet? Ouais, c'est totalement à chier là. Bah attends, je vais faire un petit pack de mecs solides au milieu là. Paf! Paf, pour essayer de booster, avoir un capitaine shooté aux hormones là. Je pense que ça sert à rien que je le mette là. J'aurais pas mieux. Une brute. Une grosse brute bien débile là. Voilà. Tu veux pas prendre ma place avec genre os de barde sur Siliana? Lianea? Histoire de buter leur chef et le tacticien. Parce que je pense qu'il faut buter les deux. Ah oui, leur chef c'est un. Oh, c'est un clodo de l'espace. Ça vient se passer. Voilà. Siliana. En vrai, je suis bon hein. Je vérifie un peu peut-être le coup. Plus t'élarcher sur le centre pour qu'ils puissent tirer sur tout ce qu'ils veulent, mais ouais. Ouais, je vais mettre. Mais non, c'est vrai que tu vas te retrouver à portée des gens. Lui, il va rester au centre. Des mouvements de port. Et putain. Ils sont tous. Mais oui, c'est pour ça. Tu joues d'abord ton os de barbe. Tu butes elle, ils vont déjà avoir deux fois moins de mouvement. C'est bon. Allez, vas-y. Bah, dès que c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Pourquoi si c'est bon pour moi. Elle est vraiment toute seule? Bah parce que comme ça elle peut supporter os de barde et il prendra pas tous les gros coups dans la gueule. Bah il a peut, plus hein. que 27 de garde. Il a plus que 27 de garde hein, et 142 d'armure hein. Oui, Zianea, c'est, pas mal, c'est, hein. c'est vraiment là pour ça. Hein. C'est déjà pas mal ce qu'il a. Bah je vais être obligé de taper une course dès le début. Moi je taperai vraiment le tacticien et le capitaine en priorité. Après si tu peux avoir le fantassin en plus, c'est que du bonheur. Mais vraiment t'en élimines deux sur quoi. Ah oui, mais l'idée c'est d'essayer d'avoir les trois d'entrée de jeu là. Ouais, ok. Voilà, oh, bah comme ça bon. Par exemple. Ouf. Ok, allez. Tu vois, et c'est là où tu te dis, ok, le marteau il est génial, mais c'est là où tu te dis, la lance elle est useless. La lance ouais. elle est ultra useless quoi. Hop, je vais me caler entre eux là, gentiment, tac. Bah, un petit coup de marteau. Toi ça dégage. Merci, dégage. Oh, une petite fureur. Oh. Idéalement, je te fais une provoque sur toi. Parce que de toute façon, le point est remboursé. Et un choc affaiblissant. Qui n'est pas rentré en critique, c'est bien dommage. Voilà. Et ils ont donc moins de mouvement. Ils sont donc plus gérables. Ah ouais, c'est vrai, ils ont des réactions. Oh, le bâtard. Sorti de la nuit. Pas vu, Pop, hein, le bâtard. Sorti de la nuit. Il vient te casser la gueule. Où est le prochain? Ok, il y a du monde ici. Il y a du monde ici. Ah ouais. Bah un capitaine hein, pour générer du point, je dirais. Hein. Je pense aussi. Hein. Et après, il va dans la nuit là. Révéler les connards. Est-ce que je vais vraiment là ou est-ce que j'essaie de me faire ces deux là? Ah ouais, vas-y. Est-ce que je peux les embraser hein, quand même? Bah tu feras gaffe, tu vas aussi embraser ma vie. Hein. Ah non. Ah non, par contre j'en ai un qui me gêne. J'en ai un qui me gêne. Et sinon j'embrase ma vie si je fais une course dedans, j'embrase. Parce que je crois que je peux me mettre là, ouais, c'est ça. Mais j'embraserai ma vie là pour le coup. Dommage, bah écoute, je vais courir. Enfin je vais même pas courir là-dedans, parce qu'attends, ils sont 15 hein. Attends, avant de courir dans la Pampa Patrix là, combien on en et voit? Et ils ont des renforts. Oh, attends, ils ont deux rounds de renfort. Ah oui, putain, ils sont chauds. Et ceux même si on les tue, ils ont du renfort hein.
Ah ouais, non, si on les tue tous, ils ont pas d'enfort. Ah donc faut qu'on les one-shot T1. Ouais. T'es chaud là. T'aurais peut-être dû lui mettre un coup de pied avant. Ça lui aurait réduit sa garde. On est pas bien là sur ce fight. On va pas être bien. On va pas être bien du tout, du tout, du tout. Bon, ceux qui jouent, il est visible déjà. Je pense qu'ils sont tous visibles. Hein. Là, je suis pas sûr, mais attends. Il faudrait les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 avec le chef que j'ai tué. 15 avec. J'en ai tué 2, hein, c'est ça? Ouais. Non, mais là, il y en a 15 restants. Il y en a 15 restants. Ah, c'est 15, il en reste 15, donc il y en a 2 qu'on voit pas, c'est ça? Ah, quoique non. Il y en a 2 qu'on voit pas. Ouais, il y en a 2 qu'on voit pas. Ouais, c'est ça. C'est 15, c'est ceux qui restent ou c'est le total? C'est ceux qui restent. Ceux qui restent. Je peux, en m'avançant un peu, taper lui et lui. C'est pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout. Je voudrais aller à l'économie de points, en vrai. Voilà, il est repoussé. Lui est repoussé aussi. Tac. Et on retourne vers les copains, ici. Voilà. Déjà, ça fait qu'il y en a un qui est géré. Lui va servir à rien. Et lui, il va quand même atteindre quelqu'un. Je lui ai vraiment fait zéro dégâts. Hein. Ouf, ma vie, heureusement que t'es tanky, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Heureusement. Prochain à jouer, c'est lui. Bah, on va y aller avec Toto, hein. Vas-y. Je vais booster que ce crew-là, hein. Je vais pas aller chercher mine à 14h. Hein. Vas-y. Je te booster ça. Je vais aller mettre dans le bac, loin derrière, que je prenne la sauce tout seul. Tac. Le bouclier, hein. Vraiment, l'arme. T'as fait un critique à combien, là, pour que... 132. Ok. Lui il a pas encore joué, lui il a pas encore joué. Lui je peux le. Lui on peut les embrouiller, ceux-là les phalanges je crois pas. Hein. Non les phalanges tu peux pas. Je peux pas les embrouiller. Ah si 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 tu peux l'embrouiller. Tu peux l'embrouiller lui là. Ah ouais, tu peux. Ouais. Dans ces cas-là. Il est embrouillé. Putain de deux. T'as pas. Je peux le tuer. Ouais tu le. Tu le tues. On a pas. Ouais tu le. Un petit coup de bouclier, un petit coup de heurtoir. Voilà. Un petit, on a dit. Ah bah un petit, il avait qu'un seul balus. Ah, c'est le coup de bouclier de Léonidas, tu vois. Poum, dégage. C'est ça. Voilà. Fin du tour. Bon bah là, ça a tapé sur du dur. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est dur quand même, les gars. C'est dur à tomber. Hein. On a plus beaucoup de points. Mais on peut faire du point, hein. J'ai du lieutenant sous le coude. Attends. Déjà, on va aller soulager un peu Os de Barbe. Histoire qu'il se fasse pas encercler ou des conneries du genre, tu vois. Ah, il l'aura quand même, je pense. Mais à moins que t'arrives à tabasser suffisamment assez fort pour tomber le fantasme. Hein. Il y a moyen. Je suis un critique assuré, donc oui. Bah, parfait. Je vais terminer mon déplacement ici, comme ça, au moins, je suis sûr qu'il sera pas mal. Tac. Bon, normalement, je devrais pas prendre trop... Ouais, ça va. Ça va, en vrai. Ouais, ça va, c'est pas très gênant. Je peux bouger un lieutenant. Attends, faut pas que je sois en contact avec les gens, je crois. Hop. Je vais pousser ce connard. Voilà. Et bah je vais rester ici pour maintenir mon support. Voilà. Il y a encore un tacticien dans l'ombre. Je suis confus. Toutes les fusions, toutes les confusions, tout ça. Je vais venir ici. Le prochain à jouer. Je vais utiliser un ordre tactique sur l'équipe. Voilà. Et je vais essayer de pousser ce connard. Voilà, je vais pousser ce connard. Voilà, donc lui il est dans un sale état. C'est officiel. Voilà, j'ai gagné un point.
Il en reste un dans la brume, je crois, non? Je crois pas, non. Si, si, puisqu'il y a un tacticien qu'on voit pas. Ok. Regarde le prochain à jouer, on le voit pas. On sait pas qui c'est. Ouais, j'imagine qu'il est vraiment dans la brume. Ils ont calé 4 dans la brume quand même. Dans la petite brume du milieu, ils ont réussi à en ranger 4. Ils ont bien bourré comme des sacs. À moins qu'ils soient dans le bout de brume où il y avait la championne, mais je crois pas. Non. Zinlen n'a pas encore joué. Hein. Zinlen n'a pas encore joué, mais là il est au close avec quelqu'un. Ouais, donc faudrait peut-être que tu prennes Edenal tant qu'on a des points pour repousser le connard qui est sur lui. Ouais. Tu recules. Le lieutenant Will serait fier de moi. Ouais, et à la limite, tu peux toujours essayer de shooter un peu la phalange qui est au fond. Ouais. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses. Ouais, vas-y. Oh, ça passe, on sait jamais. Bon, ouais. C'est lui qui la prend, putain. Tant pis. Mais tu peux les laisser là, hein. Ils se renforcent, hein. Les uns les autres, hein. Mais il était... Putain, il était là! Ouais, je le sentais bien, là. Hein. Je le voyais bien ici. Hein. Mélanine qui a pris très, très, très cher. Parce que ça me paraissait quand même abus qu'ils arrivent à en rentrer 4, là. Avec la... En plus, avec le roche au milieu. Parce que tu me dirais, ouais, 4 dans le petit brouillard, ok. Mais 4 avec le rocher, là, alors, c'était un peu trop. Hein. On va pas s'engager au close avec elle. Alors, attends. Lequel joue au prochain? Ok. Ok. Ok, ok. Alors, toi t'as joué. Donc là, il n'y a plus personne. Il y a plus personne de notre côté qui va jouer. Si, il y a la phalange encore. Si, si, de votre côté. Ok. Alors attends, j'essaie de voir quel move serait le plus intéressant à faire. Il n'y a personne qui est engagé de mon côté. Sophia. Alors, si tu veux faire un tour rentable, c'est taper lui. Et taper ceux qui sont engagés en fait, hein. C'est taper les deux shields qui sont engagés, parce qu'en plus c'est les deux contre lesquels les archers luttent. Ouais. Voilà, et puis après, je sais pas, tu peux tabasser par exemple ce lieutenant qui avait été bien amoché, si jamais t'en reste encore, quoi, tu vois. Ça risque d'être compliqué, parce que là on a pas beaucoup de points. Ouais, j'ai peur de trois quand même. Bah bouffe tout, hein, bouffe tout. Bouffe. On va garder en exécution. Non mais tu le, hein, vas-y, te gêne pas. Hein. Ouais mais on va garder en exécution, je voulais dire ça. Hein. Ouais. Si tu peux même soigner par contre quelqu'un, parce qu'on va se prendre 2 tours de renfort dans la gueule. Si tu peux enlever le saignement sur Taurus qui est pas si blindé que ça en pev. Ouais. Ça serait pas mal. Merci beaucoup. Mais là, ce serait m'exposer si j'y allais. Ouais, ouais, non, reste. Reste comme t'es, hein, je pense. Je pense que c'est déjà bien. Ma vigue, elle peut cogner encore. Vas-y. Elle a cogné, ça a fait un gros boom. Et j'ai pris de la confusion. Ça donne un pourcentage de chance que j'échoue, c'est ça? Non. Tu ne peux plus recevoir de bonus. Ok. Je pourrais lui mettre un coup de choc affaiblissant, mais... Non, tu vas te reprendre une bastos dans la gueule. C'est ça. Je pense que c'est pas très utile. Rose de Bard. Ouais, ouais. Ok. C'est pas très grave sur Rose de Bard. Il faudrait que Mélanine, je la mette en sécurité. Ouais, c'est-à-dire, tu la places où, quoi, comment? Idéalement, là. Faudrait que j'aille la mettre là. Alors attends, parce que t'as deux personnages qui vont jouer. Mm. Est-ce que à deux, vous pouvez pas vous fumer le lancier? Le lancier? Ouais, le mec a pas encore joué. Lui là. Il y a moyen, si. Et dans quel ordre vous jouez? Parce qu'il faut être sûr de le buter par contre. Parce que c'est le meilleur moyen de te sécuriser, j'ai envie de te dire, c'est de t'empêcher d'avoir le lancier qui te court après. Hein. C'est les vrais idéalement, en France, là. Là idéalement, c'est comme ça qu'il faut jouer. Là, YouTube, on souffre. Hein. Mais quoi? Mais... Ok, les règles du jeu ne sont même plus respectées. Oh, va te faire! T'as mis ton pire tir ever, c'est ça? Bah ouais, pire jet.
Je l'aurais pas. Chaud. C'est ultra chaud. Ils sont 20. Non mais regarde d'où ils apparaissent. Il y a des rochers. Ah, ils apparaissent même pas des... Ah oui, d'accord. Oh putain, ils apparaissent vraiment là où le jeu ça les arrange quoi. Ouais, cool. Faut que cool. Ah, putain, il y en a 4 qui jouent d'affilée. Alors, il y a un défenseur. Il y a celui-là. Je peux peut-être aller faire un peu de dégâts avec Mélanine et tenter de le buter, le défenseur là. Comme tu le sens-tu? Alors attends, je regarde d'abord ce qu'il joue d'autre. Fantassin en close, lui c'est pas trop dangereux. Défenseur dans le fond, lui ça peut être dangereux pour toi, donc ça veut dire qu'il vaut mieux que tu dégages. Ouais. On a deux persos à jouer et il faut que tu dégages Mélanine d'ici, sinon elle va crever. Ça, bien qu'elle soit blindée en volonté, j'ai pas forcément envie de tenter le coup. Ok. Alors. Allez, go. Pas mal ça. C'est bon, je le tue. Voilà. Et je vais aller me caler ici. Au moins, je suis sûr qu'elle est en sécurité. Y'a personne en haut. Ok. Okay. Est-ce qu'il y a un perso que tu veux jouer? Genre un os de barbe. Je peux te jouer. Ah oui, par exemple, oui, effectivement. Sinon, je. Oui. Oui, on peut jouer un gros. Genre un os de barbe débile. Là, c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a un potentiel qui se dégage. Hein. Ouais. On va leur demander leur avis en face, quoi, mais. Ils ont l'air d'être assez d'accord sur le degré de potentialité qui se dégage ici. Bah autant tuer hein. Ouais. On éclaircit un peu les rangs. Ouais, par contre le problème c'est le manque de points. Le manque de points va nous empêcher de je peux pas engrainer celui-là. Ouais, c'est dommage. J'aurais dû l'engrainer. Ouais putain, j'étais con. J'aurais dû l'engrainer et le tuer. Ça m'aurait dégagé un point de plus. J'aurais été idiot. Je suis hémophile en plus maintenant. Super. On est trop content. Il y en a une qui prend les meilleurs dégâts de sa vie. Putain, il a fait vraiment le tout droit. Quoi. Ouais. Bah oui. Oh. Je peux te la dégager, hein. C'est pas trop un problème. C'est pas le plus important à dégager pour le moment. Ça va être important parce que je vais avoir un tacticien sur le cul là. Ou alors faut rapprocher quelqu'un. Ah, tu vas avoir plus d'un tacticien sur le cul, puisque pareil, il y a un défenseur qui va jouer, etc. Donc je vais te libérer. Et au passage, je vais donner des points. Ouais, tu vas en donner 2, ça va être bien. Je vais en donner 2 et je vais revenir à ma position initiale. Ah, putain, t'as pas assez. Putain, ça aurait été bien de pouvoir mettre une zone. Ouais, mais il n'y a pas ce qu'il faut. Non. Voilà. On va générer 2 points, elle génère 2 points. Ouais, c'est bon. Elle génère 2 points. Ok, on remonte un peu. Bon. Tu vas prendre cher, ok, encore un. C'est ça. Ouais, t'en mets un. Oh la pute. Et il y a encore une autre vague à tenir. Hein. On va finir dans un état. Attends, il sort d'où lui? De tout en haut, dans du brouillard. Voilà. Ok. Donc là, on a un lieutenant débilus qui doit jouer, 2 débilus, c'est des marteaux, des marteaux et des marteaux dans tous les sens. Il faut soigner Tirailleuse. Il y a la phalange qui va buter. Je peux faire ça.
Waouh. C'est complexe là. Je peux mettre une zone. Comme ceci, ouais, mais lui se la prendra pas. Je peux. Lui il a déjà joué en plus, hein, le défenseur. Tout a déjà joué là. Enfin. Je peux mettre une zone vraiment pour couvrir. Ah non, lui il a pas joué. Ah oui, donc il y en a encore deux que je peux me prendre. Ok. Là il y en a deux que je peux prendre. Voilà. Os de Bard commence à prendre cher. Hein. Non, ça va encore. Il a encore de l'armure, hein. Le problème c'est le saignement hein, qui lui a. Qui a enlevé des PV à. C'est son propre saignement qui lui a enlevé des points de vie. Saignement, ça fait très mal. Oh, il s'est pris un petit tu recules. Mais peut-être un petit tu te calmes, je crois, même d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? Le défenseur là. Ouais, va falloir pousser ça. Hein. Ou va falloir vous casser de là, comme vous voulez. Vous pouvez aussi vous tirer genre vers les tankos là-bas là, par exemple, ou vers les lanciers qui vont pas bien. Mais est-ce que vous avez assez pour fuir du défenseur? Non. Pas sûr, hein, parce que vous êtes pas des champions du déplacement. Après vous pouvez, si avec une course, je pense que vous le fuyez quoi. Ouais, mais il y en a qu'un seul qui joue, pas deux. Ah oui. Et donc c'est en laisser un derrière. Une petite flèche, une petite zone hein. Je vais lui mettre 0 dégâts. Ouais, bon là, il y a. Alors, peut-être pas sur lui après, hein, tant pis, sur la phalange. Si lui, tu sais que tu peux pas le tuer, tu te dis au moins la phalange en reculant et en plaçant ta zone, tu le tuais. Tu vois. Recule, prends le max que tu peux te prendre. Recule, tu sais, puisque t'as ouais, un bonus. Prends-toi tout ce que tu peux te prendre comme place. Puis plus vous êtes loin, plus peut-être Taurus ou un coutelier peut intervenir pour vous sauver le boule, tu vois. Genre par exemple là t'es quand même très bien. Oh ouais vas-y prends tout le crew là. Ouais joli crit mais malheureusement insuffisant. Ça tient. Ouais. Ça tient. Ça va pas loin mais ça tient. Ah, par contre il y en a deux c'est tellement des boîtes de conserve. Ok, le prochain truc à jouer, c'est le fantassin du fond, il est géré. Après, c'est lui à côté du capitaine. Le capitaine, on va attendre encore un peu, voir ce qu'il peut sortir. Stevie, je crois qu'il a déjà joué, ouais. Les points, ils ont déjà été joués. Est-ce que tu veux que je te sauve avec Taurus quelqu'un? Je veux bien, comme ça tu peux engager le tacticien derrière et régénérer un point. Oui, tout à fait. Premier soin, putain j'ai dit au secours, je l'ai pas. Ouais si, on a c'est eu bon, un succès. Je l'ai. On a j'ai eu fait un succès. Succès ouais, effectivement. Alors est-ce que tu veux que j'embrouille le tacticien ou est-ce que lui il a déjà joué là? Le tacticien a déjà. Non, lui il me semble pas qu'il ait joué. Ouais. Le tacticien a déjà joué donc il est pas important. Donc je peux aller là embrouiller le lancier si tu veux, la phalange. Ouais, vas-y. Ou si tu veux que je te présente un cul de bouclier parce que c'est plus dur à tuer, j'en sais rien. C'est, t'as le choix, je peux atteindre les trois. Le bouclier, s'il te plaît. Le bouclier. Ouais. Hop, il va te présenter sa fesse. Voilà. Putain, bon, je pourrais lui mettre une triplette, mais je suis pas sûr que ce soit intéressant que je gaspille une triplette non. Sur lui là. Non. Voilà. Donc on est bon sur le tour du monsieur. Ouais, c'est ça, un sale bâtard va. Okay. C'est lui qui joue. Si tu veux l'éliminer avec le. Tyrieuse a joué ou pas? Tyrieuse n'a pas encore joué. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Je crois que t'as une jolie ligne de meurtre à faire. Genre là, tu peux te glisser. Ouais, je pense qu'en te glissant plus ou moins là, peut-être même. Je pense que tu peux te faire une ligne de 3. Et sur cette ligne de 3, je crois que tu peux faire très mal. Ouais. Voilà.
Merci d'avoir dégraissé les effectifs. Et je peux même aller entamer celui-là si tu veux. Ouais, bah vas-y, on va lui mettre une flèche carrément. Carrément. En collant là. Allez, vas-y. Merci. Allez, c'est bon, très belle entamade, hein. C'est une très très belle entamade, hein. Nous sommes très fiers de ton travail. Je sais pas où est le lieutenant. Reste ça là, m'inquiète. Reste là. Quel lieutenant aller... Il y a un lieutenant. Ah bah non, mais je l'ai éliminé, oui. Je suis bon. T'as buté tout le monde. Ouais. Toi. Là, ça va tomber sur tes, ça va tomber sur tes gars. Hein. On va rien pouvoir faire. Hein. Ça va tomber sur tes lanciers, sur tes archers, excuse-moi. T'as quelque chose à faire avec tes archers, tes lanciers, tes couteaux? Je peux faire une course avec Edenal et repousser celui-là. Ah oui, bah mets-toi en sécurité, ouais. Ouais, ouais, bouge. Alors, est-ce que est-ce que ça vaut le coup de le repousser lui? Parce que tu vas avoir un. Oui, parce que je vais diviser son mouvement par deux. Bah non, attends, il est déjà divisé. Attends. Oui, il est déjà divisé par deux. Par contre, t'en as deux, là, t'en as deux autres qui vont jouer. Le tacticien, il a pas encore joué. Et la phalange n'a pas encore joué. Si. Parce qu'il reste combien d'attaques. Il a combien d'attaques d'opportunité, Zinlen? Zinlen? 3 il ou 4? Il en reste 3. 3 il là. En reste 3. Donc le problème, c'est que si tu le repousses lui une fois, quand il va jouer. Donc il aura déjà pris deux flèches, tu vas lui mettre deux flèches dessus. Non mais, le truc c'est que là tu vois, le fantassin là. Oui. Je mets genre là, et jamais il me touche en fait. Oui non mais je suis d'accord, parce que, sauf que là déjà il peut déjà plus te toucher je crois, si il peut, si je bouge ouais il peut plus me toucher. Oui si donc toi tu là... bouges déjà il peut plus te toucher, là son mouvement actuel voilà. Il a chié. Ce que je suis en train de te dire c'est que t'as trois attaques et donc potentiellement avec tes trois attaques tu peux tuer la phalange et le tacticien. Donc l'idée c'est d'utiliser ta flèche pour amocher suffisamment l'un des deux pour que tu puisses le tuer, genre le tacticien. Pour que Zinlan puisse le tuer et en plus ça va nous donner des points. Là tu te bouges tes fesses, tu te mets en sécu. Ouais. Bah tu te mets en et sécu. J'utilise pas le... la deuxième flèche. Ah si, bah si t'as ta deuxième flèche, tu veux l'utiliser, utilise-la, hein. N'hésite pas. Je l'utilise sur qui? Alors idéalement, soit la phalange, soit le tacticien. Puisque le fantassin, vous pourrez pas le tuer. Voilà. Maintenant, lui, il va crever, c'est sûr. Voilà. Un point. Merci d'avoir joué. Oh, il est beau. En plus, s'il rebouge, il est encore dans la zone. Il est beau, Polo. Il est beau. Tu as peut-être des choses à faire ou pas? Le tacticien va jouer, il va mourir. Oui. Après, la phalange va jouer, techniquement, il devrait mourir. Enfin, j'espère qu'il mourra, mais c'est pas sûr. Il y a quand même 126 à tomber. Ensuite, c'est un autre... C'est le tacticien qui est par là. Alors, le tacticien qui est par là... Il m'emmerde un peu. Il va aller sur Stevie. Il va aller sur Stevie, lui. Hein. Ouais, mais le truc, c'est que j'avais envie d'utiliser mon capitaine pour taper là. Va taper là, hein. Va taper. Ouais, d'accord. Hein. Ouais, ouais. Boum, flamme de doune. Flamme de ma peluche. Voilà. Ouais. Je vais en enfoncer un. Hein. Je vais en enfoncer un comme ça, hein, comme un gros tardos. Hein. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ils sont costauds, les gars. Hein. Ouais. Voilà. Et au moins, je suis engagé. Bah, en fait, ils ont rive. Ils l'ont ou pas? Non, ils ont pas. Ils ont pas rivalité, non. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise d'abord un choc déstabilisant sur un défenseur avant de lui mettre un coup de masse en critique sur la gueule? T'es où? Je parle de ma vigue. Parce que ça rentre en crit, là. Hein. Là, j'ai plus de force. 154, hein. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant? Le choc déstabilisant n'applique pas la fragilité, donc non. La prochaine attaque subie sera un coup critique. Ouais, la prochaine attaque subie. Ah oui, mais c'est déjà un coup crit. Ok. Ok. J'adore le son de ce putain de marteau. Ouais, par contre, il est formidable, hein, ce coup de marteau. Son bouclier aussi à lui est formidable. Hein. Après avoir subi une attaque, inflige 20% de sa... Ah ouais, c'est les bons petits boucliers de la riposte. Bien t'as vu. Hein. Ouais. Bah passage de tour. Hein. Hop, tu meurs. Un point. Paf, un point. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs.
268. Ah ouais. Je peux exécuter un défenseur. Avec. Ah, avec ta fantassin. Cilianea ou avec qui? Non, de Sophia. Sophia, je peux dégager. Je peux dégager ma vigue en fait. Tu peux dégager ma vigue. Mm-hmm. Tu peux pas aller plutôt planter celui-là là et pouvoir entamer celui-là histoire d'être sûr qu'il crève d'une flèche. Ouais. C'est ça la question. C'est la question à 800 000 balles. Je peux faire ça. Parce que lui, à la limite, si tu le tues pas maintenant, c'est pas grave. L'intérêt, c'est que t'aies assez de mouvement pour pouvoir aller entamer celui-là qu'il crève au moment où il joue. On est sûr que plus jamais il joue Zinedine, tu vois. Alors, je vais faire ça. Parce que lui, en vrai, c'est une vraie menace pour tes archers. Hein. Je vais faire ça. Mm-hmm. Ah, le petit ordre. Nice. Joli. Très joli. Très jolie décision. Il y a une maîtrise des personnages qui est impressionnante de ton côté. Bien, c'est plus aléatoire. Dommage. Ah, sincèrement, ouais. C'est pas grave. Je vais peut-être envoyer Sophia en renfort pour les aider eux là-bas. Non. En vrai, non, parce que les deux là-bas, c'est des grosses boîtes. Alors, beaucoup moins le gros tas, mais le gros tas, dès qu'il tape, il en déblaye 3, donc c'est pas trop un problème. Là, t'as quand même des personnages qui sont très très bas en vie. Donc, non, tue ce machin. Parce que si on t'envoie d'autres forts là par le nord, t'es baisé, hein. N'oublie pas que t'as 0 PEV. Hein. Là, Mélanine, elle a plus rien, la pauvre petite. Hein. Ouais. Donc, pareil, hein, n'hésite pas, tue-moi ce connard, ou galope jusqu'à Mélanine pour aller lui remettre un coup de soin, tu vois. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai des mecs qui peuvent tanker, qui peuvent prendre dans la gueule, je prends. Hein. Parce que tirailleuse n'est pas bien, faut pas oublier ça. Hein. Au prochain tour, il y a encore des renforts qui arrivent. Hein. Ouais. Et ouais. Donc, faut tenir. Voilà, c'est envie de planter ce salopard, vous mettre à deux dessus là pour me fumer ce connard ou là ou comme vous voulez, hein, comme tu veux. Y'a pas de problème. Mais... Et moi, c'est mon dernier perso à jouer. Oui, bah de toute façon, c'est le dernier, tout court. Donc, si t'as des choses à faire. J'ai ça à faire, il est désarmé, il pourra pas taper au prochain tour. C'est joli, il vient de passer pour un con. Ouais, je peux utiliser un point pour le. L'achever. Mais il passera son tour forcément au prochain tour. Bah achève. Attends, toi tu peux aller te coller aux autres là. Tu gagnes des points quand t'es engagé, non? Ouais. Quand l'unité s'engage, ça peut être intéressant si t'arrives à le tuer et t'engager contre quelqu'un d'autre. Ah oui, ouais. Ouais, tu t'engageras contre personne d'autre en fait. Voilà. Donc est-ce que ça sert à quelque chose? Bah, ça fera une personne de moins en fait, oui. Ouais. Fait toujours un blaireau en moins, ouais. Ça fait toujours, ça te laisse toujours une place pour que quelqu'un puisse t'engager. Sur la prévie, c'était affiché tu. C'est de la taupe. Et lui, il va taper. C'est lui. Pas grave, il tape des gens qui ont une armure. Et une riposte surtout. Voilà. Non, c'est très très support le lancier, mais ça marche bien. Waouh, mais mec. Alors, combien qu'on en a? On en a qu'un seul en bas. Oh, on n'a pas gagné au loto. Par contre, Taurus, il est pas bien, j'annonce. Moi, j'ai peur qu'il y en ait pas mal ici, en vrai. Il y a 21 mecs à buter, c'est sûr qu'il y en a là-haut. Alors, attends. Il y en a combien qui sont apparus? 1, 2, 3, 4, que je vois. 5. 5. 6. Ouais, il y en a partout. Il y en a, c'est sûr, il y en a partout. Ils sont dans les murs, ils sont partout. Ah ouais, ils sont dans les murs, là. Là, c'est sûr, il y en a là. Sûr, il y en a ici, là. Ouais. Sûr, il y en a au nord. C'est sûr, là. Il y a censé y avoir. Attends, il est censé y avoir 21 bonhommes. Parce que, attends, censé y avoir 21 bonhommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en vois que 17. Donc, il y en a 4 cachés dans les murs. Donc, sans aucun problème, 2 dans le nord, ça m'étonnerait pas. 2 ou 3 dans le nord, voire 1 ou 2 dans ce brouillard-là. Ça serait pas étonnant. Bon, Taurus va bouffer, ça c'est sûr. Ça va très mal se passer pour Taurus. J'ai une proposition. Ouais. J'ai une proposition. Elle,
Elle a un truc qui lui permet de mettre une attaque d'opportunité quand elle est... Elle se désengage. Quand elle se désengage. Tu la désengages. Ouais, ok. Et tu l'envoies là. Elle a pris l'attaque au port. Ça, c'était pas prévu au programme. Bah, ils mettent des coups de bouclier comme ils ont envie. Tu veux la renvoyer où? Sur ces là, connards pour... En support, ouais. Et comme t'as l'inspiration, tu peux potentiellement regarder un peu au sous. Y'a personne. Et l'avance pas trop, hein, tu peux la mettre là. Bah, et si lui, c'est un tank, et... hein, on peut y aller, hein. Ouais, ouais. Oui, non, mais tu la mets en soutien à Taurus. Comme ça, elle. Et lui, comme il joue. En fait, je peux même aller casser la gueule à ce connard, en fait. Là. Bah, vas-y, va lui casser la gueule. Va lui casser la gueule. En fait, je peux juste aller l'attendrir avec un petit coup de marteau comme ça. Voilà. Il m'a fait une petite riposte, hein, le bâtard. Hein. Et je peux le tuer même, si on veut. Comme ça, je me libère. Et si on m'embrouille, je peux me réengager. Vas-y. Surtout qu'il y en a au moins un qui va venir t'embrouiller. C'est sûr. Non. Y en et a regarde, je peux même me mettre là. Toujours en revers de Taurus. Là, c'est sûr, il va venir t'embrouiller, le fantassin. Alors, voilà. Ce qui est parfait. Hein. Oh non, mais franchement, Zidlen. Un peu mérité celle-là. Hein. Là ouais, aussi. Ouais. Putain, en plus, t'as 10 de rage, quoi, s'il te plaît. Ouais, il a pas décidé, hein. Ok. Les deux, hein. Ouais, à mon avis, il y en a 4 là-haut. Hein. Enfin, les 4 qu'on voit pas, à mon avis, les 4 sont dehors. Hein. Parce que vu comment lui s'est déplacé de rien du tout, c'est qu'il venait du fond du brouillard. Hein. Il est profond le brouillard ? Ouais, il y a une belle bulle de brouillard. Ouais. Qu'est-ce qu'on a qui joue ? Ah, on a le mec sur le capitaine qui va jouer. Ouais ! On peut remettre des coups d'épée enflammés. Hein. Vas-y. Il y a un lieutenant qu'on voit pas. Il y a un lieutenant qu'on ne voit pas. Ça. Il y a un lieutenant qui va jouer qu'on ne voit pas. Alors, question. Est-ce que je continue sur le mec en flamède, là? Ou est-ce que je remonte pas pour tuer celui-là? Et remonte pour tuer celui-là. On est d'accord. Je viens ici. Il a plus de garde, tu peux lui mettre un coup de tatane. Hein. Ouais. Ah, dommage. Ah, PG. Putain. Ouais, zéro. Nique sa mère. Je dois faire. Je vais faire la même. Je vais me donner. Je vais m'offrir au défenseur qui est là. Je vais tous les prendre. Je les prends tous. Je les prends tous, mec. Oh putain, c'est pas beau ça. Ouf, c'est pas beau. Mais il sort d'où lui? Ah, du brouillard nord. Ouais, ouais. Mais ils ont un move de bâtard. Hein. Ils devaient être juste là pour pouvoir venir. Attends. Mets ton move. Oh non, mais le jeu, il triche. Il triche, hein. Regarde le move de ce bâtard. Regarde le move de ce bâtard. En gros, il vient pile poil d'ici. Il a un mouvement de 14. Non, mais 14, ça permet pas de faire tout ça, si. Si, ça permet juste de faire tout ça. Bah... Ils l'ont fait... Ah ouais, putain, vraiment, ils l'ont mis sur la bordure, genre juste là. Ouais, c'est exactement ça. Donc des trois là, il y a... Alors, je... Putain, j'ai pas de points. En effet, nous n'avons pas de points. Je peux jouer des lanciers. Ouais, va falloir jouer des lanciers. Est-ce que Tyrieuse a déjà joué? Non. Est-ce que Tyrieuse veut bien dans ces cas-là faire une flèche sur ces deux connards? Et après, moi, je joue mes deux lanciers, et on les termine, et notre poule en bas, il est terminé, ton archer est sécurisé. Ça te va? Ça me va. On se sécurise une zone, tranquillement. Avance un petit peu, avance plutôt vers eux, parce que moi, justement, je vais te coller mes lieutenants à toi. Hein. Donc, comme ça? Ouais, tu peux même t'avancer encore un peu. Parce que je vais les pousser avec des lieutenants. Lui il va être tueur à tomber. Hein, Lui, là? Ouais. Que dalle. Okay. Que dalle, c'est un touriste chinois. C'est juste pas que c'est un touriste chinois, mais c'est un touriste chinois. Ok. Après ce combat là, je pense qu'on pourra dire au revoir à YouTube parce qu'il vient de durer, je pense, ouais, une il heure. Est chaud, là. Hein. Oh chaud là là, et tu dis, ça c'est mes combats de base en difficile. J'attends de voir la difficulté supérieure. Ah, l'enfoiré.
Peut-être falloir que je joue un gros polo à un moment donné, hein, sinon non, il va tomber. Que je joue avant ah, il va tomber. Il est tombé. Ouais, faut que je joue avant toi. Je pourrais te soigner. Attends. Lequel joue? Oui, il faut que je joue avant toi. Ouais, faut que tu joues maintenant. Ouais. Maintenant, parce qu'en plus, le prochain à jouer, c'est un marteau. Le problème, c'est que le mec... Ah, t'as intérêt d'embrouiller le marteau, sinon on est foutu. Hein. Ah, j'embrouille le marteau ou je te soigne? Ah, tu peux pas faire les deux? Non. Faut que tu me soignes, sinon je pourrais pas taper. Oh. Ouais, c'est chaud. Hein. Ah, c'est chaud comme choix. C'est chaud comme choix, parce que le marteau va pas, forcément se placer. J'ai rien pour l'embrouiller, j'ai pas la provoque. Donc Ah t'as... Ah oh, oui t'as attends. Rien toi, t'as rien pour attends, l'embrouiller attends, 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 attends. On va peut-être essayer de faire un truc. Et ouais. J'essaye de voir où est-ce que me placer le mieux pour pas qu'il vienne te taper en fait. Ouais mais je pense qu'il viendra quand même me taper. Hein. Non il vient de se tourner vers moi tu vois. Ouais mais il viendra me taper quand même. J'ai pas de point de vie. Mais vas-y vas-y reste comme ça. Ah non. Ok. Théorie marche. Bien joué. La psychologie. Merci. Des PNJ. Bon, ah, bah avant de mourir, je vais les masser hein. Pourquoi il m'a attaqué avant le troisième coup? J'ai pas compris. Je sais pas, mais fuis, loin. Bon. Viens te mettre là, hein. Non, sinon je te supporte. Oh, moi non, si non, tu veux que loin. Je m'en aille très loin, ils me rattraperont jamais. Allez vous faire enculer. Tu vas au plus loin. Même mort, je cours encore. Par contre, moi j'ai un souci. Lequel? Celui-là, là. Ouais. Ouais. Est-ce que ça serait pas un taf pour Sophia là? Parce que là, il y a beaucoup de points de vie à tomber, je crois. Hein. Ouais, il y a pas mal de, il y a pas mal de points de vie. Là, faut tomber du PEV et faut y aller lourdement. Ouais. Le suivant. Comment ça se fait qu'ils résistent autant ces connards? T'es une pute? Ok. Et je... un petit soin sur Zinlen et on est bon. Ouais, ouais, t'inquiète, c'était prévu. Et pour éviter de me prendre un coup gratos. Je vais me barrer. Voilà, il m'attaquera moi. Il attaquera pas Mélanie. Ouf. Aïe. Ils font beaucoup de critiques, tes mecs. Mais ils sont très bons, les lanciers. Hein. On les joue jamais, mais ils sont très bons. Hein. Il faut que tu tues un tacticien, je crois, là. Tout de suite, maintenant. Je sais pas si j'aurai les points. T'as pas les points. J'ai pas les points, mais je peux t'emmener un lancier. Ouais. Mais je sais pas si je le touche à cette distance. Si tu le touches. Si tu te colles bien à moi, si tu le touches. Le problème, c'est qu'il pourra jouer quand même. Oui, donc mais ça règle pas le problème, tu vois ça. Non. Bah écoute, je vais tenter. Hein. Vas-y. Il ne tente rien de rien. Hein. Allez. Au pire, fuis en courant après. Non, j'ai peu de chance. Rejoins mon lieutenant. Alors, dans ce cas-là, rejoins plutôt le sud qu'on est en train de sécure là. On est en train de faire une zone sécurisée pour les blessés là. Je mets un coup de dague en passant quand même. Eh oh, ça te respecte. Ok. What? Eh mais les gars, mais vous avez quoi comme dague? Eh, faut vous calmer. Attends, toi t'as peut-être des gens qui veulent jouer. Ouais, y'a pas d'urgence syndicale visiblement. Ah, après y'en a deux qui ont pas joué encore dans la brume qu'on voit. Enfin, y'en a un dans la brume, d'un tacticien dans la brume qui n'a pas encore joué. Tacticienne pour être précise.
Je propose de jouer un autre lieutenant pour pousser un fantassin dans les flammes de Doudoun. Hein. Les flammes de la peluche, hein, comme on dit. Il l'a très bien poussé. Si tu peux... Je me repositionne... Non, j'ai pas... on n'a pas de... de heal, monsieur. Non. C'était vraiment... ouais, ok. Bah vas-y, génère un point et puis on va voir ce que ça... Je peux m'avancer un petit peu, puisque visiblement, quand vous êtes collé à moi, je vous confère la brutality, donc... On me positionne comme ça. Voilà. Aïe. Bon, ça va. Franchement, c'est vraiment des égratignures sur l'armure. Hein. Ah non, mais... Wow. Elle et Mavig, il y en a, ils sont pas bien, mais Mavig... Mavig et Sia, genre Mavig, regarde, ils lui ont tombé toute son armure, mais elle est au milieu du feu, quoi. Au milieu de l'enfer, en fait. Prochain à jouer, c'est un fantassin. J'opterai pour dégager mes deux archers. Fais tout ce que tu veux, je n'ai plus rien à jouer, j'ai tout joué, moi, monsieur. Il n'y a plus que toi qui joue. Hein. Si, peut-être Taurus... Taurus n'a pas encore joué, excuse-moi. Alors, si jamais. Si jamais un jour se passe un truc, j'ai un Taurus qui peut jouer. Je vais tenter un truc. Alors c'est très con ce que je vais faire, mais voilà. Bon, ça c'était très bien. On aime beaucoup ici à la production. Et je vais commencer à descendre celui-là. Ça te va ou pas? Ou alors je soigne une Sophia. Je vais générer deux points. Vas-y. Soignons une Sophia. Ouais, clairement, c'est bien. Alors, Il y a plus de vagues après, mais bon, faut quand même les tenir. Faut quand même tenir les 11. Mais déjà, les 11, on va les... Parce que moi, je peux taper avec Taurus, là, encore. Hein. Je suis toujours pas tapé, hein. Je tiens à préciser. Je vais. Faut vous débarrasser de lui, là. Lui, il a joué. Lui, il a déjà joué. Donc oui, même s'il a joué, à un moment donné, il va rejouer. Vous êtes 3 à pas avoir point de vie au milieu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Putain, mais fais des critiques! Le mec, il a 60... 7% de chance de crit, ça, jamais ça passe, mec. Ah putain, jamais, ouais. Passe, 7 coups sur 10 sont censés être des critiques, mais... Je l'ai vu slider, ça m'a fait trop peur. Bah, il y a lui à taper, mais bon... Oh, ma vie, elle commence à être mal, hein. Bah, bien sûr. Je l'ai envoyé littéralement pour se manger toutes les attaques des gens. Ouais. Taurus, du coup, est bien. Je montre qu'effectivement, le projet a plutôt bien tenu. C'est à moi de m'exprimer, c'est ça? Oui, il n'y a plus que toi à jouer. Ok. Je vais donc me désengager. Tant pis, je prends une attaque, je m'en fous. Et je vais saucer ce connard. Des fois, c'est plus rentable de se désengager plus de se réengager en vrai. Je vais mettre la sauce. Hein. Vraiment, j'ai plus aucune pitié. Hein. Vraiment, ça va être très sale et très moche. Hein. Par contre, pourquoi tu lui as fait une provocation? Parce que pour lui mettre un malus, parce qu'au début, je voulais lui mettre un coup de Earth War. Ah, d'accord. Et nous n'avons plus de points. Ici, il y a 7 tanks au mètre carré, je pense. Ouais. Tu veux que je vienne te support ou ouais, je continue à tanker par ici? Je veux bien là. Ouais, parce qu'il y a un fantassin qui va... Non, mais c'est pas grave, mais t'as le fantassin, t'as ce fantassin là qui va qui joue dans 3 dans 4 personnes. Donc, début du néanmoins... tour, bah, tiens, je peux aller m'engager le fantassin si tu veux. C'est le prochain à jouer. En vrai, non, je vais prendre le lead avec les 3 persos pour vraiment défoncer celui-là. Mais le prochain à jouer, c'est le défenseur. Hein. Ouais, mais il va forcément. Okay. Attends. Le prochain à jouer, c'est lui-là. Écoute. C'est pour ça que je t'en parle après, comme tu le sens-tu. Est-ce que tu peux jouer un lancier pour donner un point, histoire que je le repousse, et comme ça on n'a pas besoin de s'en occuper en fait. Oui, je peux. Avec un médénal. Lancier. Le problème c'est que si je veux jouer un lancier, le problème c'est que c'est pas intelligent et c'est pas intéressant. D'accord. Voilà. Parce que je peux pas finir à côté d'un allié là, et donc c'est juste l'utiliser pour l'utiliser. Dans ce cas-là, j'ai une proposition. Je joue s'il y a Néa, je me désengage et je me rengage. Sinon je peux le faire aussi avec Mavig si tu veux. Parce que Mavig est censé avoir une compétence qui sauce. Donc vas-y, je tente, hein. On peut tenter. Eh ben je reprends. Et je vais reprendre un coup de bouclier en plus.
Ah, si tu le tapes, oui. Si tu le tapes, oui. Donc va peut-être taper la phalange. Oui. Tape peut-être la phalange. Peut-être... Ah oui, je suis coincé dans le coin. Oh, putain, vraiment, je vais m'encercler. Je suis encore encerclé là. Par contre, les dégâts étaient mignons. J'ai eu mal. J'ai eu un peu mal aux cheveux. Ouais. Les cheveux qui poussent à l'envers maintenant, c'est officiel. Ok. Voilà. Par contre, ma vie va tomber. Sache que ma vie c'est sacrifié pour toi. Tu ne joueras pas. C'était inutile de faire ça. Pourquoi? Parce que depuis le début, en fait, Taurus pouvait aller faire ça. Dans ces cas-là, fallait juste jouer Taurus depuis le début, parce que avec Taurus, je pouvais le scotcher au corps à corps. C'est ce que je te disais. Oui, mais justement, là, en fait, on n'a plus besoin de s'en occuper. Taurus, tu peux le scotcher au corps à corps avec quelqu'un d'autre. Ah oui, ouais, si tu veux, hein. Et du coup, c'est une flèche qui part pas sur ce connard. Je le tue ou pas, lui? Non. Pas maintenant? Non, parce que je suis vraiment en train de penser aux urgences, et Bavig a quand même encerclé par 3 personnes. Donc on risque de changer de perso si on continue dans cette idée-là. Donc je les aurais bien engrenés avec une lame de feu. Ouais, fais quand même gaffe. Non, non, okay. C'est bon, ça passe. T'inquiète. J'en tombe un, en tout cas. Ok, voilà. Et lui met lui un coup de pied et puis je viens le terminer avec un coutelier. Ouais. Fais un tour dans les flammes avant. Ça y est, je suis dedans. Ah bon? Ok. Bah moi, bon, ouais, officiellement, il m'a dit t'as marché dedans, enfin, quand je me suis déplacé. Ok. Moi, je suis à 7 de rage. 17 de rage. Ok, bah vas-y. Je peux prendre plus de rage, là, par là? Non, tu peux pas une seule fois par tour. C'est pas rigolo. Voilà. T'as un point. Parfait. Deux. T'as eu glorieux. Oui. Tu vois, lui, il a joué pour rien au final. Ouais. Alors, est-ce que tu veux que j'aille embrouler l'autre bouclier au close? Ouais, comme ça, c'est pas sur ma vie que ça va. Je suis très d'accord. Est-ce que tu veux que je mette un point pour lui mettre une triplette? Oui, il est remboursé, vas-y. Tu fais tomber son armure, c'est parfait. Un peu plus que son armure, même. Ouais. 13,66 PV, hein, il est gratos. Ouais, il est gratos. Là-bas, comme on dit dans le milieu. De toute façon, t'es confus, tu peux pas récupérer de la rage, en fait, avec mon mur. Putain, on va finir dans un état. Maintenant, je peux jouer un lancier, si jamais. Ah non, même pas. Non, je finis au contact d'un ennemi. J'ai rien dit. Je finis au contact d'un ennemi, ce qui fait que il faudrait que je dépense. Ouais, c'est nul, ça sert à rien. Je peux générer un point, sûr. Alors attends, c'est quoi le prochain truc à jouer? C'est du côté de Siliana, hein. C'est peut-être s'intéresser au sujet, je sais pas. Malheureusement. Attends. Oui, non, parce que ça, elle a déjà joué. Donc. Siliana? Non, elle a pas joué. Ah si, tu t'es pas désengagé. Ah oui, non, tu l'as pas fait. Ok, nice. Ça vaudrait presque le coup avec Siliana, pour le coup, que tu te désengages, que tu tabasses le mec qui est derrière toi, pour pas prendre de coups, et tu es un connard. Je sais, c'est pas très utile, mais ça te permettra éventuellement de te réengager derrière. Et on est quand même très en train d'abuser sur nos tanks, hein. Tant qu'ils mangent, mais comme des gros tarbins. À fond les ballons. Hein. Dommage, ça aurait été drôle en critique. Ouais. Ok, prochain à jouer, c'est le défenseur qui est sur Siliana. Ok. Et après, ce sera le fantassin qui est libre. J'irais bien faire un carnage avec une Sophia. Vas-y. En plus, ça fait du point, ça, je crois. Ouais. Alors. Faire ça. T'as de l'armure, mais t'as plus de garde. Donc je te mets un 150 dans les dents. Et... je te mets 2 points dans les dents. Je peux mettre un heal sur ma vigue.
Oui, bah vas-y, écoute, hein, on va pas dire non. Hein. Mais attends, est-ce que le point peut pas être utilisé par quelqu'un d'autre de manière intéressante et intelligible? Tyrayeuse a joué, Mélanine a joué. Tyrayeuse n'a pas joué, Mélanine n'a pas joué. Elles ont peut-être besoin d'un peu de heal toutes les deux. Zinlan a joué? Zinlan n'a pas joué. Ça peut être intéressant de garder le point alors. Parce que lui n'a pas encore joué aussi. Hein. Là et elle, c'est joue ça. Donc non, gaspille pas ce point. Parce que là, potentiellement, on peut tous les tuer assez vite. Okay. Ma vie survivra ou elle mourra, tant pis pour nos péchés. Ok. Je vais me mettre là. Zinlan. Je tue celui-là. Ou j'entame celui... Attends, celui-là, il joue dans longtemps. Hein. Ouais, mais celui-là, il va jouer. Ah. Qui joue? Qui peut jouer? Toi, t'es trop loin, t'es excentré. Alors, attends. Il y a peut-être un cadeau que je peux te faire maintenant. Tu l'as placé où, ta fifille? Oui. Laquelle? Je peux t'emmener un lancier à contact d'un de tes persos. Je veux bien au contact de Zinlan, comme ça j'ai une possibilité de le buter lui. Alors, soit je passe mon tour. Ouais, soit. Soit je te soigne. Donc, soit t'as 2 points. Soit je te soigne. Si je te soigne, ça te rendra 6 points de vie. Donc, que dalle. Je pense pas que ça a grand intérêt. Non, soigne-moi pas. Ok. Je ne te soigne pas. Yu-Gi-Oh, à toi de jouer. T'as joué avec Sylvianas ou pas? Oui. Sylvianas, j'ai joué. Sylvianas, ok. J'arrive, Polo. J'arrive. Et je suis là. Alors, est-ce qu'elle meurt ou pas? Volonté! Un point de vie. PTDR, t'es qui? Là, de ce côté-là, là, ça joue au Seigneur des Anneaux. C'est, ils jouent pas au même jeu. Là, c'est là où ils sont. C'est Aragorn qui veut pas mourir, visiblement, tout ça. Une histoire. Après, avoir vu ma vie, elle est passée par-dessus bord avec un warg et tout. Mais bon, elle est pas morte. C'est une autre histoire. Après, on va appeler ma vie la blanche. Hein. Je t'ai prévenu. Petite zone de rappel. Mets-toi peut-être derrière Stivillon pour faire ta zone, non? Est-ce que c'est pas là que t'as la meilleure distance pour la voix Ned? Si. Ouais, tu peux même reculer un peu, je crois, encore, non? Tout petit peu. Allez. Elle est mal placée la zone, mais c'est pas grave. Ça aurait été bien pour le coup que tu la mettes plus par là, parce que t'aurais pu couvrir ce connard. Mais t'as paniqué. J'ai paniqué. Si te reste un point, je veux bien que tu, avec Mélanine, tu éteignes le feu sur Will. Parce que ça va être la propagation après. Merci. De rien. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant, mais tu peux toujours te ramener vers des alliés. Pas trop non plus. Je voudrais éviter. Si tu te mets, c'est plutôt par là, hein, je pense. Hein. Plutôt derrière un Stevie et un Zidlen, hein, histoire de pas prendre des gifles. Ouais, non. Je voudrais éviter en fait. Oui, pour éviter de prendre des gifles. Hein. Ah oui, t'aurais peur que lui vienne te paquer. Ouais. Là. Toi, tu meurs. Ouf, j'ai eu très très peur qu'il ne meure pas. Hein. Vraiment. Ok. Je peux claquer un point sur Tirailleuse. Je voudrais jouer Tirailleuse justement pour être sûr de le buter lui. Parce que vas-y, je t'en prie. Oui. Est-ce qu'il reste deux lieutenants qui n'ont pas joué, c'est ça? Il est où l'autre? Oh putain, il est sur. Oh là là. Il va falloir que j'utilise un point. Mais il sera. Vas-y. Hein. Fais ce que t'as à faire, je t'en prie. Ok, je vais faire une.
Putain, merde, dans les deux cas, je suis dans la merde. C'est quoi l'histoire, hein, de paniquer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je voulais utiliser mon tir de recul pour être sûr de le buter. Mm-hmm. Mais je peux le toucher qu'avec ma flèche de base. Donc, chiant. Comment ça? Ah, t'as pas la distance pour l'atteindre, tu veux dire, si tu claques ton poing? Non, et je suis... Bah, tire ta flèche de base déjà, elle est gratos, donc j'ai envie de te dire déjà tire là. Non, justement, j'ai pas la distance pour toucher la flèche de base. Ah! À de pas beaucoup. Bah, tant pis, hein, claque ton habileté, hein, touche-le avec ta flèche de base. Allez, vas-y, fais-moi un critique, s'il te plaît. Voilà, putain. Ouais. Du coup, t'as un point. Ok. Eh ben, on va conserver le point. Voilà, je pense que tout le monde avait joué. Os de barre des morts. On relance ? Ah, carrément. Sinon, ouais. Tant pis, on a perdu le gros. Hein. Ah non. Ah non ? Pas le gros. Pas le gros Polo. Oh là là, c'est terrible. Allez, on relance, mais ce sera dans un prochain épisode. Ah, sûrement pas. Petit épisode de 3h30, je m'en bats les couilles. 4 heures d'épisode, ça fait si longtemps qu'on a pas fait des épisodes hyper méga longs. Wouah, ils vont péter. Ah, j'ai l'impression de faire que des épisodes, parce qu'en ce moment, je fais du dredge et j'ai l'impression de faire que des épisodes commerciaux qui font pas plus d'une heure. Ah ouais, d'accord. Ça me rend malade. Wouah. Par contre, on va peut-être se paquer correctement ce coup-ci. On est vraiment allé à la zone. Bah, le problème, c'est qu'on a pas de points et que les mecs sont super costauds. En fait, tu sais, ils te font du renvoi de dégâts à tout bout de champ et tout. Ouais. C'est compliqué, quoi. Voilà. Non, en vrai, ouais, je sais pas, on est à combien de temps d'épisode, en fait. Bah, on a commencé à peu près à 10h15. Ah oui, on est à 2h d'épisode. Oh, allez, on va peut-être libérer YouTube, du coup. Hein. De toute façon, personne ne verra cet épisode. Des bisous, YouTube. Des bisous, YouTube. Ciao.